À tous une bonne soirée. Bien, merci beaucoup Eric. Donc moi j'ai plus rien, j'ai juste l'écran, je vais nous mettre en plein écran pratiquement tout de suite et après bah, je serai un petit peu en aveugle. Donc je vous demande par avance de m'excuser, hein. C'est toujours un petit peu compliqué de faire ça par Zoom, mais ça a été tellement bien de pouvoir continuer à faire nos réunions. Et ce soir, cette réunion, elle est placée un petit peu sous un angle très particulier. Ça va être l'occasion de parler de quelque chose qui est connu. Je ne vais pas vous. Je vous donnerai peut-être quelques nouvelles pistes, nouvelles, qui pourraient peut-être être entreaperçues, sachant que ce grand camé a toujours posé énormément de questions, posé de problèmes. Vous aurez plusieurs interprétations, mais c'est surtout ce soir pour moi le moyen de parler de la Sénat. De la Sénat et à un moment très particulier de l'histoire de la Sénat, puisque il y a exactement 36 ans, à un jour près, c'était le 6 mai au soir à 20h, un petit peu avant 20h, que je présentais pour la première fois cette conférence devant la Sénat. Et bien sûr, ce n'était pas à l'époque avec un ordinateur, c'était avec un appareil de diapo, et il y avait trois diapos à l'époque pour faire l'exposé. Ce soir, il y a 25 slides. Donc, vous voyez, il y a déjà une petite évolution. Mais néanmoins, j'espère que l'ambiance y sera aussi. Et c'est pour moi un moment très important d'évoquer un moment de l'histoire de la Sénat. Nous étions à Berlin pour commémorer, nous étions là à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la fin du conflit mondial en Europe. Et nous avons assisté le 8 mai 1945 à la prise d'armes dans le quartier français, devant le général commandant les forces françaises d'occupation. À l'époque, on appelait encore ça des forces d'occupation. Et Voilà. nous étions surtout la veille, le 7 mai au soir, nous étions à Berlin-Est, nous avions eu l'autorisation, et nous étions dans un car avec extraterritorialité qui nous a permis de voyager, d'aller à Berlin-Est, de passer pratiquement une journée à Berlin-Est. Et malheureusement, j'avais deux photos que j'avais conservées précieusement, mais que malheureusement, au cours des déménagements et des multiples rangements que je suis en train de faire, je n'ai pas pu remettre la main dessus et qui auraient permis de visualiser la trentaine de membres qui étaient présents à Berlin et qui malheureusement aujourd'hui, nombre d'entre eux et d'entre elles sont aujourd'hui disparus, mais encore présents dans nos mémoires. Et donc, je vais vous montrer la seule trace que j'ai de Berlin. Alors, vous n'allez pas rire. On va passer en plein écran déjà. Donc, ce soir, c'est un moyen pour nous d'évoquer ce grand camé et en même temps d'évoquer la Sénat et la mémoire de la Sénat, comme j'avais mis dans le petit texte qui a servi d'introduction et qui a été mis sur le site et dans le BN. En d'autre part, je vous demanderai hein, de m'excuser. J'ai en ce moment des problèmes de mémoire, un petit problème de santé. Et donc, ne vous étonnez pas, d'habitude, je n'ai pas de trous. Mais ce soir, si j'ai un ou deux trous, c'est indépendant de ma volonté. Et j'essaierai qu'ils se le voient le moins possible. Donc voilà. Donc nous allons remonter le temps. Nous allons remonter à Berlin en mai 85 pour évoquer un voyage de la Sénat. Donc, et voilà la première diapo. C'est la seule photo que j'ai retrouvée. Alors, bien sûr, ma pauvre maman n'est plus là, hein, mais nous sommes devant la Karl Marx Allee en mai 85 à Berlin-Est, et le personnage a beaucoup changé, mais c'était il y a 36 ans. Et vous avez à côté, pour ceux qui ne l'auraient pas, mais maintenant, grâce à la Sénat et grâce à notre site, vous pouvez aller voir tous nos anciens bulletins, vous avez le bulletin ou le compte-rendu de ce voyage a été fait. Il avait été réalisé par Luce Gavel et vous pouvez le retrouver donc aux pages à l'intérieur donc de ce bulletin. Vous le retrouvez des pages 32 à 35. Alors pour évoquer ce voyage, pour vous dire, on était une trentaine. On était parti de Paris un soir de la gare de l'Est dans un train plombé. On nous posait des plaques de plomb au passage de la frontière entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et on arrivait, donc on ne voyait rien, on ne voyait qu'un tout petit faisceau de lumière, et on arrivait le matin, donc le matin du 6 mai, on arrivait à Berlin-Est, on arrivait à Berlin-Ouest, mais en passant par Berlin-Est, et on voyait, la seule chose qu'on voyait, bah, c'était le mur à l'époque. Et on s'était retrouvé à une petite trentaine, donc j'ai essayé de redresser la liste de ceux qui avaient participé à ce voyage. Il y avait monsieur et madame Corbin, il y avait monsieur et madame Rebieux,
Il y avait Monsieur et Madame Gavel, il y avait Monsieur et Madame Décor, hein, qui étaient de Chalon, il y avait Brigitte Fischer. C'est dommage qu'elle puisse pas être parmi nous ce soir parce que c'est l'une des rares survivantes avec Monsieur Rebieux et Solange. Il y avait les Lemay, Monsieur et Madame Lemay et leur fils. Il y avait Michel Orlier et sa femme. Il y avait Max Leroy et sa femme. Il y avait René Lèbre et surtout son chapeau, hein, pour ceux qui ne l'ont pas oublié. Il y avait notre ancien président, Monsieur Chabachoff. Il y avait Monsieur Guérini, et je me rappelle plus le fils Guérini, mais je crois que son père était là aussi, le général Guérini était là. Et moi-même, maman et une amie, ainsi que Christine Leverrier, qui est malheureusement décédée très jeune, et son mari. Voilà. Or, ça, c'était pour l'équipe qui était venue de Paris. Certes, alors, la plupart avaient pris le train, hein, donc quelques-uns nous ont rejoints en avion. Et à Berlin, pour nous accueillir, il y avait le groupe de Berlin, car à Berlin, à l'époque, il y avait une session de la Sénat, qui était dans le quartier français, qui était dirigée à l'époque par Monsieur Bréva, Mademoiselle Chevalier. Et on avait pu organiser ce voyage grâce à l'intercession de Monsieur Massé qui avait fait la courroie de transmission entre la Sénat Paris et la Sénat Berlin. Et on a passé, pour ceux qui étaient à Berlin à ce moment-là, on a passé 4 jours inoubliables, extraordinaires, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce qu'on était un groupe d'amis. Le dernier jour, sur le lac de Tegel, à la Tegelsee, il y avait un temps magnifique, on a eu un beau temps en plus. Et on a passé un moment, une convivialité, un groupe, et on a vu des choses merveilleuses. On a vu le château de Charlottenbourg, on a vu deux fois le musée, on a vu le musée de l'Est, aujourd'hui qui se visite très facilement, mais à l'époque c'était assez exceptionnel. On est resté subjugué devant la statue de Néfertiti au musée égyptien. On a eu des réunions fantastiques et on a pu rencontrer les gens du club de Berlin, donc du club allemand de Berlin avec Monsieur Schlüter qui avait participé plusieurs fois à nos travaux et qui avait été une courroie de transmission aussi très importante. Et le soir du 7 mai, nous étions invités par le club numismatique, donc qui comptait une dizaine de membres de Berlin, donc du club français de Berlin, qui était la session Sénat Berlin. Et trois personnes, dont Luce Gavel, qui nous avait présenté une magnifique monnaie de Humboldt, d'ailleurs publiée dans le bulletin de numéro 85 de juin 80, le numéro 84 de juin 85. Monsieur Corbin, donc membre de l'Institut, nous avait présenté la 100 francs Marie Curie, dont il était l'auteur. Et moi-même, j'avais eu l'occasion de faire ce petit exposé sur le Grand Camée de France. Et donc, c'est un moyen pour nous d'évoquer la mémoire de la Sénat. La Sénat, je vous rappelle, qui fêtera bientôt en 2023 ses 60 ans, hein, et qui, à l'époque, venait de fêter ses 20 ans. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce voyage faisait la liaison avec les anciens, qui n'avaient pas pu venir, par exemple, qui n'étaient soit déjà plus là, ou qui, pour une question d'âge, par exemple, on avait Sinon, monsieur et madame Lafolie qui n'avaient pas pu venir. oui. Non, mais non, parce que c'est compliqué, moi je suis ce que je mets. Ah, il y a des problèmes d'interférence. Au cas où, Ah, si vous voulez, micro, merci bien. Et puis, tous ceux qui vont succéder, qui n'ont pas connu cette période, mais en même temps, c'est un moyen de relier ceux d'hier à ceux d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est pour moi très, très important. J'avoue que ça met un petit coup de vieux quand même. Déjà rien quand on voit la photo, mais aussi quand on repense à tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu connaître. Et il faut lire, pour ceux qui auront l'occasion, aller lire le compte-rendu qu'en avait fait Luce. C'était très, très présent, très intéressant et en même temps très convivial. Et ça montre bien l'ambiance qui existait déjà et qui règne toujours à la Sénat. Voilà pour le petit cliché, et maintenant nous allons directement passer au sujet de ce soir, qui va me rajeunir de 36 ans exactement, puisqu'il va nous ramener en 1985 et nous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce grand camée de France. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon pour tout le monde? Oui, on t'entend. Oui, Très bien. Eh bien, pas de écoutez. problème, pas de problème, Laurent. C'est bien. Eh bien, c'est parti. Donc, on essaiera de faire un petit, bon, de faire des petites coupures. Je vous ferai peut-être des petites interrogations, comme j'ai l'habitude. Et puis, bon, ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, hein, de les garder, de les poser. Merci bien, en tout cas. Et c'est parti pour cette incursion, donc, dans la glyptique, qui n'est absolument pas ma spécialité, mais
ce grand camé m'a toujours subjugué. Alors, avant de commencer, je vais vous renvoyer à la bibliographie. Donc, le premier ouvrage, le plus important que je n'ai pas ici, c'est bien sûr l'ouvrage d'Ernest Bablon consacré au catalogue des camés, de la glyptique et des différents objets qu'il a repris sous la forme d'un guide illustré. Vous l'avez là dans la bibliographie, dans sa version de 1900, mais il existe ensuite plusieurs réimpressions jusqu'en 1924, puisque je vous rappelle qu'Ernest Bablon est décédé cette année-là, en 1924. Ensuite, le travail principal où vous allez avoir beaucoup de choses qui sont puisées, mais pas seulement, c'est l'ouvrage qui est au centre, qui est bien que petit et va occuper une place importante ce soir, qui est l'ouvrage de Jean-Baptiste Gier, publié en 1998 et consacré au Grand Camé de France, donc qui est un ouvrage uniquement consacré à cet objet, mais qui va même au-delà, parce qu'il a fait des incursions. Jean-Baptiste Gier, grand spécialiste de monnaie romaine, s'intéressait aussi beaucoup à la Renaissance et aux antiquariats, et ça a été pour lui l'occasion de faire une incursion dans ce domaine-là. Le catalogue de base, aujourd'hui, qui reste le plus important, même si le chapitre consacré au Grand Camé sous la notice 275 n'occupe que 2 pages, et le travail fait par Marie-Louise Wolfwinder, donc aujourd'hui décédée, et Madame Avisseau-Broustet, donc Mathilde Avisseau-Broustet, qui est aujourd'hui la grande spécialiste incontestée de la glyptique au cabinet des médailles. Vous trouverez aussi 2 autres ouvrages que j'ai utilisés, c'est le luxe dans l'Antiquité. Pour certains d'entre vous, ça leur rappellera quelques souvenirs, puisque nous avons eu l'occasion d'aller visiter cette exposition en Arles pendant que le cabinet des médailles était fermé en 2017. Et ça a été un moyen pour nous de retrouver des gens de la SENA, des gens du GNCP, des gens du club numismatique Cévenol, et puis ainsi que tous les gens qui avaient pu venir, et on avait passé aussi un très agréable moment. Et vous verrez ce soir que j'ai essayé de mélanger numismatique et glyptique, parce que je reste quand même un numismate, et donc que toutes les monnaies photographiées proviennent de ce magnifique ouvrage publié en 2017 d'Andreas Pergel, donc qui a dirigé, qui a été le photographe de cette expédition, et qui contient 500 portraits romains. Donc c'est un ouvrage magnifique, complété par 14 études, malheureusement trop souvent en allemand, sur l'étude iconographique des portraits, de la glyptique, des bustes. Et cet ouvrage a été complété en 2020 par un nouvel ouvrage consacré à la période hellénistique. J'ai eu l'occasion de présenter ça aux Amis des Romaines, les 2 ouvrages. Et ces 2 ouvrages, malheureusement en allemand, le deuxième avec des résumés en anglais, vaut vraiment le coup d'œil. Et n'hésitez pas à vous les procurer, parce que ça, c'est 2 merveilleux ouvrages qui donnent envie de regarder aussi bien des monnaies que de la glyptique, que de la statuaire. Et c'est un moyen de comprendre que la monnaie n'est pas simplement des statistiques, mais c'est aussi de l'art, et ça fait aussi partie de notre ADN à ce niveau-là. Donc voilà pour la bibliographie. Pour ceux, je vais évoquer en souvenir, parce que ça, plus personne ne le verra, bon, bien que la monture existe toujours, c'est ceux qui ont connu avant le cabinet des médailles, c'est-à-dire avant l'ouverture du musée en 1981, tel qu'il pouvait être présenté dans la salle de l'huile, dans sa monture, qui est bien sûr pas la monture d'origine, qui est une monture qui a été faite après que le Grand Camé ait été dérobé. C'est une monture Premier Empire, donc qui a été réalisée après 1805. Et c'est ainsi que vous pouviez voir le Grand Camé jusqu'en 1981. Et puis ensuite, le Grand Camé a été démonté. On a enlevé cette monture, donc qui était néoclassique, hein, néo-romaine, on le voit très très bien dans sa représentation, et qui fait tout à fait penser aux objets. Je vous rappelle qu'on vient de fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon, et que vous aviez avant-hier une très grande vente chez Osna à Fontainebleau d'objets napoléoniens, tout à fait dans ce style-là. Donc aujourd'hui, le Grand Camé n'est plus présenté de cette manière-là, mais de la manière suivante que nous allons voir maintenant. Voilà, c'est celle-ci. Donc, une monture en or, donc présentée très simplement. Ce qui va être pour nous la façon d'aborder l'histoire de ce Grand Camé avant de rentrer dans le détail iconographique. Donc, premièrement, cette pièce est une pièce extraordinaire. C'est le fleuron, l'un des fleurons, parce qu'il y en a plusieurs au cabinet des médailles, mais certainement au niveau de la gémologie et de la glyptique, la pièce la plus spectaculaire. C'est le plus grand camé aujourd'hui survivant. Pour vous donner ces dimensions,
c'est 310 mm de haut en bas, et dans la, donc de forme ovoïde légèrement trapézoïdale, et dans sa plus grande largeur de 265 mm. Donc 30 cm sur 26 cm et demi. C'est quelque chose d'énorme. Cette pièce, on ne connaît pas son histoire. On va parler de l'histoire à l'intérieur, mais on ne sait pas qui l'a commandée. On dit toujours que c'est l'un des personnages qui se trouve au centre, qui pourrait être à l'origine, mais on n'en est absolument pas sûr. Et vous allez voir qu'il a posé d'énormes problèmes d'interprétation. On ne sait pas qui l'a fabriquée, qui est à l'origine de l'artiste, certainement un artiste d'origine grecque, qui a pu réaliser cette œuvre monumentale. On peut bien parler de monument à ce niveau-là. Et on ne sait pas non plus quel a été son avenir après sa réalisation. On a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles est qu'il aurait été déposé en quelque sorte comme dans le cénotaphe, dans le mausolée d'Auguste, qui vient de réouvrir hein, aujourd'hui à Rome, qui est placé près du Tibre, non loin du Forum. Mais on n'en est absolument pas sûr. La seule chose que l'on sait, c'est que vraisemblablement, il a déménagé de Rome à Constantinople à la période constantinienne, puisqu'on va le retrouver à Constantinople. Mais là non plus, on n'en est pas certain. On sait qu'au moment de la dédiction de Constantinople, le 5 mai 330, Constantin a fait transporter énormément d'objets de Rome vers la nouvelle capitale pour lui donner un faste qu'avait l'ancienne, donc Rome. Mais ça ne veut pas dire que cette pièce exceptionnelle soit partie exactement entre 324 et 330 ou après 330. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est à Constantinople et que vraisemblablement, c'est là qu'il se trouvait lorsque, au moment de la quatrième croisade, en 1204-1205, je vous rappelle que cette quatrième croisade est très spéciale, elle était censée aller délivrer les lieux saints après la troisième qui s'était quand même terminé de façon un petit peu en eau de boudin, la mort de Frédéric Barberousse, le roi Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion qui étaient repartis chacun de leur côté, et Philippe Auguste qui s'était retrouvé prisonnier en Autriche. La seule chose qu'on avait pu avoir, c'est une certaine liberté pour, disons, pouvoir retrouver les lieux saints. Mais à part ça, les lieux saints étaient toujours occupés, et donc cette troisième croisade avait pour but de délivrer Jérusalem. Mais malheureusement, les Vénitiens qui avaient fourni les bateaux vont changer la route et en fin de compte, cette croisade va se retrouver devant Constantinople, qui va être prise, d'ailleurs elle sera prise deux fois, et en fin de compte, c'est la fin du premier empire byzantin, du sac de Constantinople, et on parle toujours des massacres, des différents massacres, mais les croisés s'en sont aussi donnés à cœur joie à ce moment-là. Et vraisemblablement, le camée est peut-être passé à ce moment-là, dans le giron des croisés. On en est certain, puisque en 1247, le roi latin de Jérusalem, hein, donc le roi de Constantinople, donc Baudouin, a vendu cette pièce à Louis IX, donc le roi Louis IX, comme objet, ainsi qu'une partie de la couronne du Christ, objets qui vont orner la Sainte Chapelle qui est construite spécialement pour cette raison et qui donc sera dont on aura la dédicace, et on a la trace réelle dans le premier inventaire en 1279 de la Sainte Chapelle. Donc ça c'est la première date réelle, 1247. Est-ce qu'il a été vendu à ce moment-là? On n'en est pas sûr, mais il est vraisemblable que Louis IX ait acheté à ce moment-là, ainsi que d'autres objets précieux, d'autres objets de religion. Et donc, il fait son entrée à la Sainte-Chapelle et il est dans l'inventaire de la Sainte-Chapelle de 1279. Ensuite, on va le retrouver dans un inventaire royal des trésors royaux en 1336 sous Philippe VI de Valois, donc nouveau roi depuis 1328. Puis en 1341, Philippe VI de Valois est obligé de le mettre en gage auprès de la papauté du pape d'Avignon,
parce qu'il a besoin de financer la guerre. Je vous rappelle qu'on est en début de guerre de 100 ans. Et donc, cet objet va passer plus de 20 ans en Avignon avec le pape Clément, qui était un très grand collectionneur, avant qu'il ne rentre en France. Alors là, on a plusieurs dates, mais vraisemblablement, il est récupéré à l'instigation du premier roi collectionneur, vraiment auteur de la collection royale, Charles, le futur Charles V, qui n'est encore que dauphin. Et apparemment, il est revenu dans la collection nationale, il est revenu en France en 1363. Et il réintègre la Sainte-Chapelle en 1379, c'est-à-dire exactement un siècle après, y avoir, après le premier inventaire. Puis ensuite, on va le retrouver dans plein d'inventaires, donc pendant tout le 15e, le 16e, le 17e, 18e siècle en particulier. Et ce, jusqu'en février 1791, date à laquelle les biens de la Sainte-Chapelle sont saisis. C'est les biens, la saisie des biens nationaux. Le roi Louis XVI va demander à ce que cet objet soit préservé, ne soit pas vendu, qu'il soit conservé. Donc ça, c'est fait en mars 1791, donc très rapidement. Et l'objet est déposé, ainsi que d'autres, en mai. Le 1er mai 1791, au cabinet des médailles, alors que Jean-Anatole de Barthélemy est encore le conservateur. Et donc, c'est grâce à Louis XVI que cet objet a pu être sauvé, car il aurait très bien pu être détruit ou carrément vendu, dispersé. Et donc, cet objet va faire son entrée au cabinet des médailles. Pas pour une très longue période, car dans la nuit du 16 au 17 février, pas 1831, mais cette fois-ci 1804, il est volé. C'est le premier vol du cabinet des médailles. Et cet objet est emporté. Il est emporté jusqu'en Hollande, où il se retrouve à Amsterdam et où il a failli être vendu pour la somme de 300 000 francs or à l'époque. C'est quelque chose de colossal. Et c'est là que sa monture, antique et médiévale, mais surtout antique, a été démontée, qui contenait de l'or, de l'argent et des pierreries, ainsi que certainement des bijoux, a été détruite. Et donc, c'est à ce moment-là, à son retour, un an plus tard, car il va être récupéré par les autorités françaises, quand il fait son retour au cabinet des médailles, que nous aurons la fameuse monture Premier Empire que nous connaissons. Il ne subira pas les effets du vol de 1831, nos voleurs ayant préféré s'emparer de tout le stock pratiquement d'or, ainsi que du trésor de Chilpéric, et dont la plupart des pièces seront malheureusement refondues. Et depuis cette date, fait l'un des ornements, l'un des bijoux, l'un des précieux du cabinet des médailles. Donc voilà, résumé très succinctement, l'historique de cette pierre, en fin de compte, dont nous connaissons mieux l'histoire depuis le Moyen-Âge et en fin de compte, dont nous ne savons pas entre la période de création et la fin de l'Antiquité ou le début du Moyen-Âge, à quoi il a pu servir et où il était surtout conservé. Peut-être tout simplement dans le trésor impérial. Notre grand Camé n'a pas toujours eu, et vous allez voir, il a eu de nombreuses appellations très diverses. Il a d'abord été présenté comme étant un camé religieux, un camé qui aurait pu avoir une origine donc qui représentait le Joseph en Égypte face à Pharaon. Et c'est seulement en 1619-1620 que Peiresque, le grand antiquisant, va être le premier à dire que ce n'est pas un sujet religieux. Alors je vous rappelle que cet objet avait été enchâssé à l'époque byzantine, à l'époque constantinienne, avec les quatre évangélistes donc, qui ornaient les angles, et qu'ensuite, quand il est arrivé à la Sainte-Chapelle, on lui a adjoint, Saint-Louis lui a fait adjoindre sur sa base, les douze apôtres, et l'a enchâssé avec des pierres précieuses, certainement des intailles, et que tout cet ensemble, c'est ça qui a été détruit en 1804. Et donc, on pensait tout à fait à une origine chrétienne. Et c'est donc Peiresque qui, le premier, va dire « Non, non, ce n'est pas une origine chrétienne, c'est une origine antique », et qui, le premier, va reconnaître dans le personnage central le
le nom qui va d'abord lui être donné de Gemma, donc un gemme, Tiberiana, donc de Tibère, car nous avons en effet Tibère au centre. Mais très vite, on va lui donner le nom de Camée d'apothéose d'Auguste. Pourquoi ? Parce qu'on pense que le personnage qui est tout en haut, radié et voilé, pourrait être Auguste. Mais il aura bien d'autres noms. Hein. Le nombre de noms qu'il a pu avoir et l'interprétation justement sur les différents personnages va être le sujet de notre exposé de ce soir. Or, pourquoi vous avez à gauche cette peinture que vous aurez tous reconnue, qui est un Rubens et qui était censé orner la salle du musée, du palais du Luxembourg, qui était le palais de Marie de Médicis, que lui avait donné Henri IV et qui aujourd'hui se trouve au Louvre. Tout simplement parce que l'image que vous avez à votre droite est la peinture que réalisa Rubens à la demande de Peiresque, qui voulait avoir une vision complète pour pouvoir interpréter le grand Camée et pouvoir en donner une lecture correcte. La seule chose, c'est que Rubens, donc on est en 1619-1620, donc il l'a fait d'après intuition et d'après ce qu'il pouvait avoir. Là, ce que vous avez n'est peint qu'à partir de 1622-1625, et Peiresque n'aura le document qu'à partir de 1625. Mais à partir de là, il va pouvoir donner une interprétation qui va rester tout à fait, qui est tout à fait encore intéressante et qui pourrait encore coller tout à fait aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, nous sommes en pleine période des antiquaires, c'est-à-dire c'est cette grande période, et vous allez avoir un autre personnage qui va s'emparer du document à partir de ce portrait de Peiresque, qui est celui-ci, donc que vous avez à droite, là, qui est une gravure, et qui est tiré de Saint-Amant. Donc Saint-Amant, c'est ses commentaires sur l'Antiquité, dont le premier volume est paru en 1635, le troisième en 1644, et qui est une sorte de grand appareil sur toutes les grandes antiques avant le grand traité de Montfaucon au début du XVIIIe siècle. Et donc il reprend, et bien sûr, ne va pas être d'accord avec l'interprétation qu'avait pu en donner Peiresque. Il y aura conflit entre les deux qui se terminera en 1637 par la mort de Peiresque et qui éteindra le conflit. Mais en attendant, on est dans une période où justement on veut savoir, on veut donner une interprétation à ce grand Camée. Est-ce que pour l'instant tout est clair et est-ce que tout va bien pour tout le monde ? Très très clair. Le silence est donc votre réponse. Pas de problème, pas de problème. Eh bien voilà. Donc nous allons avoir cette vision de ce grand Camée. Ah pardon, non, je reste encore une seconde. Voilà. Donc ce grand Camée, je vous ai donné ses tailles. Donc 310 mm par 265. C'est une très belle pierre, donc un magnifique sardonyx à 5 couches. Donc, 5 couches différentes, commençant par une brune. Alors, je vais vous montrer avec la souris si elle veut bien. Voilà. Donc, la première couche brune, deuxième couche blanche, une troisième couche rousse, une quatrième couche donc, qui est plus foncée ici, qui est brun foncé, et enfin la cinquième couche, donc, quatrième couche qui est blanche, et la cinquième couche, là ici, qui est brun foncé. Donc une pierre à 5 couches, donc d'une extrême richesse, et qui présente, donc l'entourage est en or et en moderne, mais ici vous avez donc depuis la fin du Moyen-Âge des cassures, une cassure qui part du haut de la pierre, donc ici sur ce visage dont nous allons devoir reparler, et qui descend pratiquement jusqu'au pied du piédestal du trône ici, et qui est consécutif à une deuxième cassure ici, et qui suit une ligne longitudinale et qui remonte à peu près jusque-là. Par rapport à la peinture de Rubens ou au dessin de Saint-Amant, vous avez ici deux têtes de personnages qui n'existent plus, donc qui ont éclaté, donc peut-être, et qui ici étaient vraisemblablement restituées ou réinterprétées, et vous avez ici un manque au niveau du siège de ce personnage. Voilà. Et donc, nous avons dit que nous allions l'appeler pour l'instant Gemma Tiberiana, ou Camée de Tibère, Gemme de Tibère, tout simplement parce que le personnage principal,
qui se trouve au centre de ce camé est, bien sûr, Tibère. Ça, nous en sommes persuadés. Et vous allez voir tout de suite que la disposition de notre camé, donc de cette immense pièce, peut se décomposer en trois zones bien distinctes. La zone du centre, qui est composée de 9 personnages. Vous avez 24 personnages au total sur le camé. 9 personnages et qui constituent la zone centrale et principale de ce camé. Avec au-dessus une zone avec, nous avons au total, que je ne vous dise pas de bêtises, nous avons 5 personnages dans la zone supérieure et nous avons 10 personnages dans la zone inférieure, avec une sorte de ligne de base. Le rendu vous permet de voir que vous avez une forme de mouvement qui est donnée par la construction de cette pierre, avec au centre 2 personnages centraux auxquels répondent 2 personnages de chaque côté, plus 2 personnages en annexe qui semblent donner une direction. À la partie supérieure, en ayant cette confrontation avec 2 paires de personnages, plus le petit amour, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Ah, excusez-moi, je reviens, voilà, le petit amour ici. Nous avons donc cette impression de mouvement. Donc, nous avons un camé qui est donné à Tibère par le personnage principal, ce qui va être le moyen pour nous de revoir l'arbre généalogique de cette famille julio-claudienne. Donc c'est tiré, désolé pour l'allemand, mais c'est le tableau le plus précis et le plus récent qui vient de la Kaiser-Tibel, donc la Römische Kaiser-Tibel, donc de Dieter Kienast, qui est mort en 2017 mais qui a été complété, qui permet de découvrir donc cet arbre généalogique donc de cette famille qu'on appelle julio-claudienne, donc la maison Julio-Claudienne, avec comme fondateur, bien sûr, Jules César, donc qui est ici, la sœur de Jules César, qui avait eu une fille, Attia, et qui a épousé un Octavius, et qui est la mère donc d'Octavien, Octavianus, qui deviendra Auguste. Octave a une sœur, Octavia, donc qui va être mariée, entre autres, à Marc-Antoine. Et Marc-Antoine, le fameux Marc-Antoine de Marc-Antoine et Cléopâtre, et donc qui vont avoir 2 filles dans une période relativement courte, entre 40 et 34, Antonia, et qui portent toutes les deux les noms d'Antonia Major et d'Antonia Minor, donc Antonia toutes les deux, et on les différencie uniquement par l'ancienne et par la jeune, et l'Antonia Minor va épouser Drusus, Drusus qui est le fils de Livia Drusilla, et de Tiberius Claudius Néron, qui a été le premier mari de Livie, et donc le père de Tibère et de Néron Drusus. Et Livia est la femme, la troisième, voire la quatrième épouse d'Octave, et il l'a épousée en l'enlevant à son mari, en la faisant divorcer de son mari, alors qu'elle était enceinte de son second fils Drusus, et l'a épousée. Ils n'auront jamais d'enfants, du moins d'enfants vivants. Si bien que Octave, quand il va devenir Auguste à partir du 16 janvier 27 et qu'il voudra construire une dynastie, sera obligé d'aller chercher ailleurs ses successeurs. Et il va les trouver en particulier grâce à sa fille, car lui-même a eu une fille de son deuxième mariage avec Scribonia, Julie, et Julie va épouser le meilleur ami d'Octave, qui s'appelle Agrippa, Vespasianus Agrippa, qui était aussi son général et son amiral, et là, il va avoir une très nombreuse descendance, dont Caius et Lucius, ses petits-fils, qu'il va adopter. Malheureusement, tous les choix qu'il a faits, que ce soit par Octavie, avec Marcellus, ou avec ses petits-fils Caius et Lucius, ils vont tous mourir avant. Ce qui va l'obliger à se reporter sur le fils aîné de Livie, Tibère, qui a été adopté dès 6 avant Jésus-Christ, mais qui a préféré partir, s'effacer devant les fils de Julie et d'Agrippa, et qui s'est réfugié à Rhodes, avant de revenir justement au moment de la mort des petits-fils d'Auguste, et à ce moment-là de devenir vraiment le successeur attitré. Mais en même temps, Auguste va choisir
l'un des fils de Drusus et d'Antonia, donc qui s'appelle Nero Claudius Drusus et qu'on connaît nous sous le nom de Germanicus et qui va être adopté, donc qui est donc le neveu de Tibère. Eh bien, tout ce petit monde-là, nous allons, et quelques autres peut-être aussi, nous allons les retrouver sur notre pierre. Donc, essayez de vous rappeler de cet arbre très compliqué. Je vous rappelle que cette grande famille julio-claudienne, qui est d'ailleurs plus claudienne que julienne, hein, à partir de Tibère, va s'éteindre en 68 à la mort de Néron. Donc, nous voici devant notre grand camé que nous retrouvons. Et cette fois-ci, nous allons en faire l'étude. Donc, nous avons vu que le personnage principal était Tibère, que nous avions donc trois registres, un registre central, un registre supérieur et un registre inférieur. Eh bien, je vous invite à découvrir chacun de ces trois registres. Voilà ces trois registres. Le principal est donc composé ici de ces personnes. Donc ici, personnage central Tibère. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner les noms des uns et des autres. On va essayer de deviner. Donc vous avez donc une femme assise qui est aux côtés de Tibère. Donc Tibère, lui, est représenté nu jusqu'à la ceinture. Il a l'égide, donc, qui est en couleur brune, rousse, posé sur les jambes, il tient un sceptre et ici ce tout petit objet qu'on ne voit pas forcément très bien qui remonte légèrement et qu'il tient dans sa main est un litius, c'est-à-dire un des instruments du grand pontificat, hein, des augures. Donc il a les pieds posés sur un trône, il est tout à fait dans la représentation qu'on pouvait avoir soit d'Auguste soit de Tibère mais aussi de Jupiter. Sur un plan légèrement inférieur, assis à côté de lui, désignant de la main droite vers l'autre personnage important de la scène, une femme donc, qui est laurée et voilée, qui est vêtue de la stola, qui a les pieds elle aussi posés sur ce fameux siège à pattes de lion et qui est accoudée sur ce trône de marbre en quelque sorte. Et ces deux personnages regardent de l'autre côté deux autres personnages, un personnage qui est debout, vêtu militairement, donc il a le paludamentum du général, la cuirasse, il est vêtu de paragnatide, il tient le bouclier, son casque est avec plumet qui est orné d'un aigle, il porte la main à son casque et regarde, donc il a son bouclier devant lui et regarde en direction des deux personnages principaux. Derrière lui, légèrement en retrait, se trouve une femme debout de face, qui regarde à droite avec la tête laurée. Et donc, nous allons voir que ce personnage est très important. Deux autres personnages composent ce thème central. Une femme qui est debout de face, tournée légèrement à droite et qui tient un volumen et qui tient devant elle un enfant. Or, qui est vêtu militairement, un petit peu comme le personnage d'à côté, qui a un bouclier lui aussi, qui porte aussi un manteau, et qui porte surtout ceci, donc des petites chaussures militaires que l'on appelle des caligas, et qui reposent sur un bouclier. Tout ceci aura son importance tout à l'heure. Enfin, derrière les deux personnages centraux, deux autres personnages, un jeune homme, casqué, vêtu militairement lui aussi avec le paludamentum et qui fait le lien avec la zone supérieure puisqu'il lève la main en direction du registre supérieur. Assis à côté de lui, une jeune femme qui est assise sur un siège qui se termine en forme de sphinge, de pied de sphinge, et donc qui est drapée et qui semble s'interroger, portant la main à son menton. Voilà pour le registre principal. Au registre supérieur, nous avons donc en centre un personnage voilé, diadémé, drapé, donc sous la forme religieuse, vraisemblablement d'un grand pontife ou d'un pontife, qui tient un sceptre lui aussi. Devant lui, un personnage qui peut faire passer un personnage oriental. En tout cas, il porte un bonnet phrygien et tient un globe.
Ici, un tout petit personnage, donc nous aurons l'occasion de reparler, qui est un petit, on pourrait dire un petit pouti, mais qui est vraisemblablement Cupidon. Et de chaque côté, nous avons ici un personnage donc vêtu militairement, lauré, qui tient un bouclier, il a le paludamentum, il est cuirassé aussi. Et de l'autre, donc il est à pied, et de l'autre côté, un personnage monté sur un cheval mythique, le fameux cheval ailé Pégase, qui a servi à Bellérophon hein, pour faire l'un de ses travaux, et qui porte un personnage qui est en train de s'élever. Pégase est en train de s'élever vers le haut, vers le ciel, et un personnage lui aussi lauré, vêtu militairement. Et enfin, au registre inférieur, 10 personnages donc, qui représentent, en fin de compte, des personnes dans l'attitude, ce qu'on appelle les anglo-saxons appellent ça « mourning », c'est-à-dire « tristesse ». La tristesse avec des trophées d'armes, des armes, boucliers, des gides, dans une attitude de sombre, avec soit des cheveux longs, soit des bonnets phrygiens. Et donc, il va falloir interpréter ces différents personnages. Voilà nos trois registres. Nous pourrions nous arrêter là et dire, bon ben voilà, je vous ai fait une description sommaire du Grand Camé. Mais nous allons rentrer bien sûr beaucoup plus dans le détail et voir avec quoi peuvent coller ces différents personnages. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux continuer? Bon, tout le monde dort déjà, ça y est? Non, non, continue. C'est bon, on continue. Eh bien alors, c'est parti. Nous continuons, nous allons rentrer dans le premier... C'est passionnant. Dans le premier registre qui est la représentation de Tibère. Alors, si le camé est d'une très très grande qualité, très grande pièce extraordinaire, tant par la composition que par la réalisation, les différents auteurs, et ce, dès le XVIIe siècle, font remarquer que le traitement des portraits n'est pas forcément individualisé et fidèle. Cependant, quand nous regardons le personnage du centre que nous voyons ici, et je vous ai mis donc deux monnaies, toutes les monnaies que vous aurez viennent du bouquin de Munich, hein, donc vous avez deux, alors bien sûr qui sont des monnaies toutes extraordinaires, vous avez deux monnaies de Tibère, hein, donc ici avec une monnaie avec la légende Tiberius, Caesar dit oui, Augusti Fili, Augusti, Imperator Octavum, c'est-à-dire pour la huitième salutation impériale, d'ailleurs elles sont toutes les deux pour la huitième salutation impériale, les traits de ressemblance sont indéniables entre Tibère, qu'il soit tête nue ici, ou tête laurée, avec la représentation que nous pouvons avoir ici de Tibère. Vous voyez entre parenthèses, grâce à cet agrandissement, la fameuse, l'une des deux grandes fêlures principales que je vous évoquais tout à l'heure en vous faisant la description générale du Grand Camé. Le deuxième personnage qui est traduit, alors ici on pourrait commencer à jouer au jeu des questions et des réponses, qui est cette femme qui est représentée à côté de Tibère. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Alors bien sûr, Dominique n'a pas le droit de répondre. Hein. Dominique est le seul qui doit absolument garder le silence. On lui donnera la parole enfin parce qu'il aura des choses à nous dire. Alors, est-ce qu'on a des idées? Non? Bien, eh bien, c'est tout simplement pas la femme de Tibère. Je vous rappelle que la dernière femme de Tibère, c'est Julie. C'est la fille d'Auguste, qu'il a épousé quand il est revenu de Rhodes, qu'il a été obligé de divorcer de la femme qu'il aimait, Vispagna Agrippa, c'est-à-dire la fille d'Agrippa, qui était sa première épouse et dont il était très épris. Non, ce n'est pas Julie, mais sa mère, Livie, la femme d'Auguste, que nous avons ici en représentation sous deux formes. Livie ne sera jamais représentée sur les monnaies, mais néanmoins, on semble reconnaître sous la forme de Salus Augusta et ici de Justitia, la mère de l'empereur Tibère, la femme d'Auguste, qui a reçu le titre d'Augusta seulement après la mort de l'empereur en 14, de l'Auguste en 19. Je vous rappelle qu'Auguste est mort le 19 août 14 et que Tibère a été reconnu seulement en septembre. Il y a eu un temps d'adaptation entre la mort d'Auguste et la reconnaissance de Tibère, mais qui était le successeur naturel et désigné. Et Livie, qui est
qui va vivre extrêmement vieille, puisqu'elle ne meurt qu'en 29 de notre ère. C'est-à-dire qu'elle va survivre, elle était plus jeune qu'Auguste, elle était née en 59-58 avant notre ère, et elle meurt en 29 de notre ère. Donc c'est cette représentation ici de la mère de l'empereur, qui est, elle est représentée, si vous regardez bien de façon stylistique, légère, elle est sur le même plan puisqu'elle a les pieds qui reposent elle-même sur le même marchepied de marbre, mais légèrement en retrait et rendue de façon légèrement inférieure, comme si elle était un petit peu plus bas que l'Auguste. Nous allons passer à la suite. Voilà, nous passons aux deux autres personnages donc, que nous avons vus. Rappelez-vous, à chaque fois vous aurez donc, le grand camé en regard pour vous rappeler où sont nos deux personnages. Les deux personnages, que, donc les deux premiers étaient là, les deux suivants sont ici. Et en fin de compte, si on pense qu'au départ Tibère pouvait être le sujet principal, ensuite, pendant, et d'ailleurs on va avoir des querelles d'experts qui durent jusqu'à aujourd'hui, on pense que le personnage principal pourrait être ce personnage, donc le personnage qui est représenté vêtu militairement avec son casque, et ici avec cette femme qui le regarde, qui en fait en quelque sorte le présente. Nous avons donc ici Germanicus, donc c'est le fils de Drusus l'Ancien, c'est le neveu de Tibère, et c'est le mari d'Agrippine. Et nous avons ici Antonia, donc qui ne serait pas du tout ressemblante, Antonia Minor, qui était la mère de Germanicus, mais aussi la mère de Claude, l'empereur Claude, hein, qui régnera de 41 à 54, et qui était la femme de Drusus l'Ancien, mais surtout la femme de Drusus l'Ancien et la fille de Marc-Antoine et d'Antonia Minor. Donc cette Antonia-là est la fille d'Antonia Minor et de Marc-Antoine. Donc seraient les deux ce personnage serait le principal personnage de ce camé, d'où le surnom qu'on lui a souvent donné, en particulier à l'instar d'Ernest Bablon dans le travail qu'il a fait en 1897 et ensuite dans les différentes publications, ce camé porte le terme de glorification de Germanicus. Donc ici nous aurions donc Germanicus qui serait représenté avec sa grand-mère, Antonia, qui le présenterait. Donc Antonia était veuve de Drusus depuis 9 avant Jésus-Christ. Elle était la belle-sœur de Tibère, mais elle avait gardé un rôle très important et elle ne mourra qu'au tout début du règne de Caligula, son arrière-petit-fils. Étape suivante. Cette femme ici, représentée, donc qui tient ce volumen avec cet enfant devant elle, donc qui sont les personnages qui sont à l'extrême gauche de la partie centrale, du registre central, nous aurions la représentation d'Agrippine. Agrippine mère, ou major, pour la distinguer d'Agrippina minor, qui est la fille de Julie et d'Agrippa. Donc c'est la petite fille d'Auguste. Donc très important, et elle a épousé Germanicus, donc son cousin, et elle est la mère de nombreux enfants, et en particulier de cet enfant que nous voyons ici avec ce bouclier vêtu militairement, alors qu'il est relativement jeune, on voit bien que c'est un enfant, et qui ne serait autre que la représentation de Caligula, qui est l'arrière-petit-fils d'Auguste, et qui va succéder à Tibère le 16 mars 37, pour un règne relativement court jusqu'au 24 janvier 41. Donc Caligula, qui n'est pas connu dans l'histoire sous le nom de Caligula, mais de Caius Caesar, hein, qui est son vrai nom, Caligula n'étant son surnom à cause des petites choses, des chaussures militaires, des Caligae qu'il revêtait quand il était au camp avec ses parents, car il était le fils de Germanicus, et Agrippine a accompagné très souvent son mari à l'armée, et en particulier nombre de ses enfants sont nés. Je vous rappelle que c'est cette Agrippine qui a donné son nom à la Colonia Julia Agrippinensis. Donc nous aurions cette représentation. Enfin,
à l'extrême champ droit, nous aurions ces deux personnages qui seraient le fils de Tibère, qui s'appelle Drusus, Drusus Minor, et sa femme, Livilia, qui avait été déjà mariée à un des petits-fils d'Auguste, Caius, et qui va finir par assassiner son mari en 23. Et nous avons ici la représentation de Drusus, donc Drusus Minor, qui était le fils de Tibère et de Vipsania Agrippa. Donc la fille d'Agrippa. La fille d'Agrippa. Et donc, vous avez ici une représentation de cette lionnette de Drusus, donc, qui meurt en 23. Donc, rappelez-vous toutes ces dates, car nous en aurons besoin tout à l'heure dans la chronologie pour dater ce cadet. Nous allons abandonner le champ lexical du registre central pour passer au champ du haut. Ah oui, j'ai oublié un personnage. Personne ne m'a dit que j'avais oublié quelqu'un. Lui. Ben lui, en quelque sorte... Ah, pardon. C'est un accessite. Nous en reparlerons tout à l'heure. Il a son importance, mais il n'est pas pour l'instant dans notre sujet. Nous passons donc au registre supérieur avec ce personnage central. Donc, qui a été dès le début et dès Peiresque vu au départ comme Auguste. Ce qui a fait qu'on a aussi donné, outre le nom de Gemme Tibérienne, de Grand Camée d'Auguste. Et d'Auguste divinisé, car il est au ciel, il porte un diadème, il est voilé, et donc dans l'attitude d'un empereur divinisé. Je vous rappelle qu'Auguste a été divinisé. Il tient le sceptre, et devant lui, il y a ce grand personnage qui occupe une grande partie du champ, et qu'on a vu d'abord comme étant qui pouvait être un Phrygien à cause de son bonnet, qu'on a aussi attribué à Alexandre le Grand, en disant que c'était Alexandre le Grand, mais qu'aujourd'hui, après les travaux d'Alphody et de Jean-Baptiste Giard, on voit plutôt, et c'est pour ça que vous avez cette représentation que je vous ai tirée d'un Aureus d'Adrien, qui est très important, vous avez eu un très bel article en 2003 dans la revue numismatique sur ce thème, qui est le thème d'Aion. Aion, qui est le thème du retour des temps heureux. Et notre Aion tient le globe qu'il va remettre. Simplement, aujourd'hui, ce personnage, et pour Giard, et nous verrons que c'est discuté encore, ce personnage ne serait pas Auguste, mais Jules César. Jules César, le fondateur, l'origine de tout, puisque c'est lui qui a permis la naissance de cette dynastie, bien qu'il n'ait jamais lui-même eu le... Il a été dictateur perpétuel, il a failli devenir roi, ce qui amène peut-être à son assassinat le 15 mars 44 aux Ides, mais n'a jamais été empereur, hein, d'ailleurs on dit plutôt de prince, il faut plutôt parler d'un principat que d'un empire, et donc vous avez la représentation au revers d'un Aureus d'Adrien frappé en 121 et qui rappelle le Saeculum Aureus, qui a été fait vraisemblablement au moment de la commémoration du 21 avril 753, d'ailleurs qui est associé à d'autres monnaies extrêmement rares et qui vous représente Aion dans le cercle. Là, normalement, on a souvent une représentation du zodiaque et Aion qui est représenté avec le phénix posé sur un globe qui marquait le retour des temps heureux et surtout la perpétuité. Et ici, notre Aion au 1er siècle aurait donc ce globe qu'il présente. Là aussi, oubliez ce petit personnage, on va passer à la deuxième partie. Et ici, bien sûr, nous aurions la représentation de Drusus l'Ancien. Drusus, le frère de Tibère, qui est mort d'une chute de cheval après de brillantes campagnes en Germanie en 9 avant Jésus-Christ, et qui était en fin de compte l'un des principaux collaborateurs d'Auguste avec Tibère, et qui était l'un de ses brillants généraux. Et de l'autre côté, dans le temps, donc, était représenté, donc, vous voyez, on voit très bien aussi ce fameux défaut de la pierre donc, qui s'est abîmé, qui s'est fendu. On donnait cette représentation, on disait que c'était l'apothéose, donc c'est pour ça qu'on appelle aussi apothéose de Germanicus, parce qu'on disait que c'était Germanicus qu'on avait vu ici au centre, dans le registre central, et qui montait au ciel. Pour Jean-Baptiste Giard, non, ce n'est pas Germanicus,
Mais c'est Auguste, Auguste qui est mort, qui est divinisé, et qui monte au ciel sur Pégase. Donc il est lauré, représenté avec le panneau d'Amenton. Et vous avez ici une représentation d'une pièce frappée par sous Caligula, de Divus Augustus, et les traits ne sont pas, n'est pas impossible. Cette interprétation n'est pas anodine et n'est pas invraisemblable. Donc au registre supérieur, nous aurions donc Auguste, Drusus l'Ancien et Jules César. C'est-à-dire qu'on aurait, en fin de compte, le rappel de la filiation à la fois julienne et claudienne par rapport au vivant et par rapport au sujet central donné à Tibère. Donc là, le détail, voilà le détail de Jules César. Donc vous avez ici la représentation d'un denier posthume frappé après la mort de César à partir de 42. Avec le fameux Sideis Iulis, je vous rappelle qu'au moment où César est mis au bûcher, serait apparue une comète ou un astre qu'on dit être la comète de Halley, et en fin de compte, qui aurait favorisé la divinisation de César. Et donc ici, nous aurions donc Jules César divinisé, tandis que là, donc nous aurions ici Drusus l'Ancien. Ici, vous avez une monnaie de Drusus frappée sous son fils Claude, avec Nero Claudius Drusus Germanicus, Germanicus étant son surnom qu'il a reçu pour ses nombreuses victoires en Germanie, et nom qu'il avait le droit de transmettre à ses héritiers, ce qu'il ne manqua pas de faire, puisque Germanicus, le fils de Néron Drusus, a reçu le nom de Germanicus. Et enfin, de l'autre côté, il m'en manque une, excusez-moi, je reviens légèrement en arrière avant de passer. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Ah ben non, je vous ai mis Auguste, voilà. On a eu Auguste, César et Drusus l'Ancien. Nous allons donc pouvoir, de recherche, si vous n'avez pas de questions d'interrogation ou de complément à donner, à passer au troisième registre, c'est-à-dire au registre inférieur. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Oui. Alors, nous passons tout de suite au registre inférieur, donc qui présente. Donc, vous avez vu que ce registre occupe la partie inférieure, qu'il est très richement décoré, qu'il contient en réalité le plus grand nombre de personnages représentés, puisque nous en avons 5 en haut, 9 au milieu. Cette fois-ci, ce sont 10 personnages dont 2 têtes sont amputées ici. Vous avez 2 têtes ici et là qui manquent, mais sinon vous avez donc 10 personnages, tous dans une attitude plutôt de tristesse, certains avec les cheveux longs et d'autres coiffés plutôt à l'oriental. Une des femmes, avec femme et homme, tient un enfant. Et alors je n'ai malheureusement pas pu vous trouver de photos, disons de bonnes photos, bien qu'il en existe, mais je vous ai pris le revers du sesterce de Claude, donc qui est frappé sur Claude avec la légende de Tiberius Claudius cette fois-ci, qui représente Drusus l'Ancien sur justement des trophées d'armes. Donc vous avez des cuirasses, vous avez un casque, des boucliers, des lances, et donc qui correspond tout à fait et qui peut être mis en rapport avec les différentes armes que nous avons ici. Nous avons ici un sesterce plus tardif de l'époque de Domitien avec Germania Capta. Donc je rappelle que Drusus l'Ancien est le premier à passer le Rhin et qu'il va aller jusqu'aux bouches du Rhin, mais qu'il sera obligé de revenir et il meurt en 9 sans avoir en 9 avant Jésus-Christ sans avoir terminé les campagnes. Il faudra nombreuses campagnes qui ne seront terminées que par Germanicus en 17, mais qu'avant il y aura eu le désastre de Varus et Auguste qui aura perdu ses 3 légions et qui réclamait toujours à Varus, rends-moi mes 3 légions. 3 légions, la 17, 18 et 19 qui ne seront jamais reconstituées. Il faudra plusieurs guerres encore sous, nous aurons des guerres sous Tibère, nous aurons une apparition furtive sous Caligula, mais les plus importantes seront sous Domitien et Trajan, et nous avons ici un revers de sesterce avec la Germanie. Oh, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est
ce qu'il voudra. Voilà, la Germanie captive, encore une fois, représentée avec sur un trophée, le Germain debout, les boucliers, les trophées d'armes, donc ils ne sont pas sans rappeler. Et je vous ai pris ici, puisque vous avez un guerrier, enfin un part soumis, voilà cette fois-ci des campagnes partiques de Trajan, c'est un sestère de Trajan, Trajan debout qui est représenté entre le Tigre et le Frate, et avec un part donc, qui rappelle tout à fait un guerrier part, mais ces guerriers part, nous les rencontrons déjà dès le premier siècle, et ils orneront le monnayage beaucoup plus souvent au deuxième siècle pendant les campagnes partiques, soit de Marc Aurèle, soit de Septime Sévère. Donc là, nous avons un sesterce de la fin du règne. Ah, pardon, excusez-moi, ma souris est très sensible, il ne faut pas que j'y touche. Nous avons une représentation, donc trois représentations, une contemporaine et deux plus tardives des différents personnages que nous pourrions retrouver. Alors certains se sont amusés à partir de du texte de Strabon à donner des noms aux différents captifs qui sont annoncés là, en particulier qui feraient référence à Arminius. Je vous rappelle qu'Arminius était le chef chérusque qui avait permis la perte des trois légions d'Auguste en 9, et donc qu'on pourrait avoir la représentation en particulier d'Arminius, de son frère, de sa femme et de son fils. Là, je pense qu'il faut abandonner complètement. Donc le texte de Strabon donne bien cette description, mais qu'elle n'est absolument pas à rapprocher de la gemme que nous avons là. Nous reste à aborder deux personnages que nous avons furtivement entrevus, qui sont ici le personnage qui est au pied de Livy, donc qui est un personnage assis, encore une fois, donc coiffé du bonnet phrygien, dans une attitude de tristesse, et qui pourrait très très bien représenter soit captif part, soit l'Arménie soumise. Et je vous rappelle que Germanicus, qui revient en 17 et qui, après de nombreuses campagnes en 14-15 en Pannonie puis en Germanie, un triomphe donné d'ailleurs un petit peu au corps défendant de Tibère. Tibère le partage avec lui, mais n'était pas forcément très satisfait de Germanicus parce qu'il trouvait qu'il prenait une trop grande emprise, qu'il était plus populaire que lui-même. Donc va ensuite partir à partir de 17 et jusqu'en 19, date de sa mort à Antioche, où il est peut-être mort de fièvre ou empoisonné par le gouverneur de Syrie Pison à la demande de Livy ou de Tibère, pourrait représenter justement les régions à conquérir, c'est-à-dire la partie ou l'Arménie. Reste ce petit personnage qui se trouve entre l'Ionne et le Pégase, d'ailleurs qui tient le Pégase par la bride, que nous retrouvons dans la partie supérieure, et qui serait tout simplement une des formes du génie de la famille Julia. Je vous rappelle que Jules César, qui appartient à la gens Julia, fait remonter son ascendance jusqu'à Ascagne et donc jusqu'à Vénus. Et comme Cupidon est le fils de Vénus, c'est un moyen de rappeler l'origine divine, l'essence divine de Jules César. Et comme nous sommes dans le registre supérieur des personnages morts et divinisés, notre petit Eros ou Cupidon fait tout à fait le lien entre les différents personnages et le registre du haut. Nous en avons terminé pour la description de cette gemme. Je vous remets un petit coup de Kaiser Tybal pour que ceux qui n'auraient pas tout noté et tout compris, si je fais une interrogation écrite, tout le monde peut me répéter qui est le fils, qui était marié, qui a couché avec et qui a succédé à. Pas de problème. Pas de problème, c'est Marie-Laure qui répondra alors, donc c'est bon. Donc, je vous l'ai remise tout simplement parce que maintenant nous allons essayer de dater cette gemme. Et là, c'est là où justement, tout à l'heure, nous aurons peut-être l'intervention de Dominique, parce que si nous avons une datation à peu près précise aujourd'hui, elle est encore remise en question et elle est toujours en discussion. Mais avant ça, il faut voir quels sont les personnages qui ne sont pas représentés sur notre gemme. Nous avons vu donc que c'est une glorification de la famille Julio-Claudienne, donc de cette famille
qui commence avec Jules César et qui s'arrête avec Néron. Mais là, nous sommes à l'époque de Tibère. Eh bien, les deux premiers personnages ici qui ne sont pas représentés, qui ne font pas partie, et en particulier la sœur aimée d'Auguste, donc d'Octave avant, c'est Octavia, qui a été la femme de Marc-Antoine, et donc la mère d'Antonia, des deux Antonia. Puis ensuite, nous avons ici Agrippa. Agrippa, le général vainqueur, le général et surtout l'amiral, puisqu'il est représenté ici avec une victoire, une couronne rostrale. Je vous rappelle que c'est le vainqueur de Nolok contre Sextus Pompée le 3 septembre 36 avant Jésus-Christ. Et surtout, c'est le vrai artisan de la victoire d'Actium le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ contre les flottes de Cléopâtre et de Marc-Antoine réunies dans le golfe d'Ambracie. À côté de ce général, il est mort en 12 avant Jésus-Christ. Octavie est morte en 11 avant Jésus-Christ. Marc-Antoine est mort en 30. Hein. Il meurt en août 30, mais il meurt, disons, à Alexandrie, donc il est hors circuit. Il n'a pas eu de damnation mémoriée parce qu'elle n'existe pas vraiment, mais en attendant, il ne figure plus dans la famille julio-claudienne. En attendant, Octavie a eu un rôle très important. Elle a élevé les enfants qu'avait eu Marc-Antoine avec Cléopâtre. Elle les a élevés. Elle a élevé aussi Juba, le futur Juba II de Maurétanie, et elle les a élevés avec les petites Antonia, les enfants qu'elle avait eus de Marc-Antoine. Agrippa, lui, a épousé cette femme ici, la fille d'Auguste, la fille unique d'Auguste, donc, et de Scribonia, dont elle a eu au moins deux enfants, elle a eu plusieurs enfants, mais dont deux garçons, Caius et Lucius, qui sont les petits-fils d'Auguste, qui ont été adoptés comme ses fils adoptifs et qui malheureusement vont mourir l'un de fièvre à Marseille et le second après une campagne contre les Parthes des suites de ses blessures. La descendance directe d'Auguste, puisque avec Livie, elle n'aura pas d'enfant avec Tibère, enfin, ils auront un enfant avec Tibère, mais il ne survivra pas. Julie a encore eu un fils qui est né posthume avec d'Agrippa, qui s'appelle Agrippa Postumus, mais cet enfant va vite se révéler très instable, voire anormal. Ce n'est pas le seul de la famille, et il sera mis à mort en 14, juste après la mort d'Auguste. On ne voit plus les diapos. Ah, vous ne voyez plus les diapos. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on veut plus, on les figé. Pardon, alors attendez, on va essayer de revenir. Voilà, je reviens, je remets, il y avait un blocage. Alors excusez-moi, vous ne voyez plus les diapos à partir de quand? À partir de l'Arménie soumise, là. D'accord, donc on va revenir là. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une bêtise. J'ai dû appuyer sur un bouton, voilà, qu'il ne fallait pas. Donc, je reviens, on arrive à l'Arménie soumise, et je reviens, voilà. Donc, nous en étions là. Voilà, nous venions de terminer ce chapitre, voilà. Et donc, nous abordons, on va revoir les personnages. Donc, je vous remontre l'arbre julio-claudien, hein, et c'est là que Marie-Laure m'a dit que je pouvais faire l'interrogation écrite. Et donc, voilà nos fameux personnages qui ne sont pas représentés. Alors, là, j'ai un problème. Voilà. Donc, ici, en haut et à gauche, Marc-Antoine et Octavie. Agrippa au centre avec sa couronne rostrale. Et c'est pour ça, c'est là que j'ai appuyé, c'est là que j'ai coupé. La couronne rostrale. Au centre, Julie et ses deux fils, Caius et Lucius, qui meurent, donc qui sont les petits-fils d'Auguste, mais ses fils adoptifs, et qui meurent malheureusement avant Auguste. Julie a été déportée, elle s'est montrée une épouse infidèle. Auguste avait de nombreux ressentiments contre elle. Elle a été reléguée et peut-être que Tibère a réglé ses comptes avec elle. En tout cas, elle meurt en 14. Donc en 14, meurt successivement, juste avant ou juste après la mort d'Auguste, en tout cas Agrippa Postumus après la mort d'Auguste, et Livie peut-être juste avant ou juste après, Livie la fille et Agrippa Postumus, le dernier petit-fils d'Auguste, meurent tous les deux. Reste donc que la descendance de Drusus l'Ancien. Drusus l'Ancien a eu de nombreux enfants, et parmi eux Germanicus et notre fameux Claude, le frère. Claude est écarté du pouvoir parce qu'il claudiquait, hein, entre autres, claudication donc, qui a donné son nom au défaut, mais on disait aussi qu'il était débile.
chose qui n'est absolument pas prouvée. Je vous rappelle qu'il a écrit une histoire des Étrusques en 35 livres, que c'est un personnage qui était extrêmement cultivé, qui a manqué peut-être un peu de personnalité, mais qui a été relégué très tôt. Antonia le considérait comme un stupide et Livy ne voulait pas le voir en disant qu'il ne fallait pas qu'il apparaisse, que c'était un déshonneur pour la famille. Mais ça ne l'empêchera pas de devenir empereur. On va le trouver derrière un rideau en 41 après l'assassinat de Caligula. Il est acclamé empereur par les prétoriens et va quand même régner pendant 13 ans. En attendant, l'autre descendance, donc nous avons vu le petit Caligula, le fameux Caligula qui n'est autre que le Caius César. Et nous avons ici Nero et Drusus sur une monnaie justement de Caligula, qui sont les frères aînés de Caligula, ainsi que ses trois sœurs, Agrippine, Drusille et Julie, aussi au revers d'un sesterce. Et donc, la famille de Caligula, après la mort de Germanicus, va subir l'opprobre de Tibère. Alors, pas tout de suite. Agrippine va d'abord avoir de gros problèmes avec son beau-père, avec son oncle, je veux dire, parce qu'elle pense que c'est à l'instigation de Livie et de Tibère que son mari a été assassiné par Pison, donc le gouverneur de Syrie. Et elle ne va pas se cacher. Comme elle n'a pas sa langue dans sa poche, Tibère va de plus en plus trouver que va essayer de la reléguer. Les enfants, donc Néron et Drusus, sont les principaux successeurs après la mort de Germanicus. C'est eux qui doivent succéder. Avec Drusus Junior, le garçon que nous avons vu tout à l'heure, le fils de Tibère et de Vipsania Agrippa. Malheureusement, celui-ci meurt en 23. Il était marié à Livilia. Livilia qui était une des autres, qui était aussi une sœur de Germanicus. Ne restent survivants que ces deux petits garçons qui sont nés en 22, donc juste en 21, juste avant la mort de Drusus, qui sont les fils de Livilia et de Drusus Junior, dont l'un porte le nom de son père, mais va mourir très très vite, et le deuxième vivra jusqu'au tout début du principat de Caligula. Il s'appelle Tiberius Gemellus, c'était des jumeaux. Et donc, d'où cette représentation au revers d'une monnaie de Tibère. Et il sera le César de Caligula, mais très vite, il sera éliminé. Et nous avons donc ici quelques personnages qui ne figurent pas dans notre fameux, qui auraient pu figurer, mais qui ne figurent pas dans notre fameux canon. Donc gardez bien tout ceci à présent à l'esprit, car maintenant nous allons essayer de dater cette pierre. De quand peut-elle dater? Donc, si nous reprenons nos personnages, Tibère règne de 14 à 37, et pas 34, comme il est marqué dans l'ouvrage sur les camées romains. Il y a une petite erreur, mais ça arrive, ce sont des coquilles. Livie meurt en 29 de notre ère. Germanicus, ici, meurt en 19. Antonia, si c'est bien Antonia qui est représentée, hein, meurt en 37. Ici, Drusus Junior meurt en 23. Livilia, qui va devenir la maîtresse de Séjan, va mourir en 30 ou en 31, parce qu'en fin de compte, Antonia va révéler le scandale en disant que c'est sa fille qui a fait mourir son gendre, en fin de compte, et qu'elle est à l'instigation et il va la laisser mourir de faim. Mais ça ne sera pas les seuls. Drusus et son frère Nero Claudius vont aussi mourir dans des conditions dramatiques. Agrippine meurt en 33. Elle meurt en exil sur l'île de Pandétéria. Et Caligula meurt en 33. Oh, 41, pardon. 41. Donc, si nous nous replaçons, si nous considérons que les personnages ici sont bien Auguste, mort en 14, Drusus, ici, mort en 9 avant, et bien sûr, voilà, César, qui remonte jusqu'en 44 avant Jésus-Christ, notre camée est bien Julio-Claudien, daté du règne vraisemblablement de Tibère, entre 14 et, disons, 41, puisqu'on a Caligula ici. Mais est-ce que nous pouvons, ou est-ce que nous pourrions être plus précis? Si nous considérons ici les captifs qui sont à la fois germaniques et partiques, ils peuvent rappeler les victoires de Germanicus, mais aussi
d'Auguste, puisque je vous rappelle qu'Auguste avait récupéré les enseignes perdues par Crassus à la bataille de Carrhès en 53 et celles perdues par Antoine et Saxa en 36 avant Jésus-Christ. Mais néanmoins, on sait que le triomphe de Germanicus date de 17. Et si nous avons bien une représentation ici de Tibère et de Livy, nous pourrions très très bien avoir ici le retour de Germanicus en 17 et son triomphe, avec l'association de sa femme, ici, Agrippine l'Ancienne, de son garçon qui était très, qui avait énormément de succès auprès de l'armée, le petit Caligula, le petit Caius César. Et ici, nous avons le fils vivant, encore vivant, de Tibère, Drusus, qui ne meurt qu'en 23. Ce qui, à ce moment-là, permettrait de resserrer notre appareil chronologique entre 17 triomphes de Germanicus et ici 23, la mort de Drusus. Sachant que Agrippine, à partir de 26-27, commence à ne plus du tout être appréciée, elle va quitter la cour impériale, il est peu probable que ce camée puisse être postérieur à 29, de toute façon. Parce qu'ensuite, de toute façon, elle sera reléguée. Elle sera reléguée sur l'île de. Elle sera reléguée sur différentes îles et elle mourra en 33 sur l'île de Pandeteria. Et de toute façon, là, en l'occurrence, elle disparaît complètement de l'histoire. Le petit Caligula va finir avec. Je vous rappelle que Tibère, à partir de 24, après la mort, il est devenu misanthrope, il l'avait déjà été, mais après la mort de son fils, il va laisser le gouvernement aux mains du préfet du prétoire, ses gens, et en fin de compte, va se réfugier sur l'île de Capri, au large de la baie de Naples, sur lequel il va vivre pratiquement sans discontinuer jusqu'à sa mort en 37, et il y fera venir le petit Caligula, donc qui va vivre auprès de lui. Et on dit d'ailleurs que c'est le second préfet du prétoire de Tibère et le jeune Caligula qui ont peut-être mis fin au jour de Tibère en mars 37 sans en avoir la preuve. Donc nous pourrions être entre 17 et 23, si nous considérons que tous ces personnages au milieu sont bien vivants. Nous pouvons peut-être même reculer la date si nous suivons les conclusions de Bablon, qui voyait plutôt ici en haut Auguste et Auguste ici et Germanicus, l'apothéose de Germanicus. Et donc à ce moment-là, nous serions entre 19, 20 et 23, puisque ici on pense toujours que ça pourrait être Drusus. Mais d'autres conclusions sont venues. Et là, j'avoue que j'ai du mal à m'y rallier. Moi, j'avoue que je me rallie, j'étais très rarement d'accord avec Jean-Baptiste Gire, nous avions de vieux différends, en particulier sur les trésors de Paris. Mais je pense que pour la gemme augustéenne et en suivant les travaux d'Andreas Alfoldi, il a raison de voir ici l'Ion, ça aujourd'hui, ça ne fait plus de doute. Ici, de voir ici Jules César et ici Auguste. Et donc de voir ici bien Germanicus et ici Drusus Minor. Mais certains historiens, dont Marie-Louise Wollweider, veulent voir ici, en fin de compte, ça serait bien la glorification de Germanicus. Germanicus serait monté au ciel. Et ici, au lieu d'avoir Germanicus, nous aurions son fils aîné, Néron Drusus, et ici son frère. Et en fin de compte, ça serait Tibère entouré des principaux enfants de Germanicus avec Agrippine mère. Mais alors là, ça nous ferait un laps de temps extrêmement court, nous serions vraisemblablement entre 19 et 24. Mais j'avoue que j'ai du mal à me rallier à cette idée, parce que Tibère n'aurait peut-être pas manqué de faire disparaître, même si cette pierre était très coûteuse, même si elle était magnifique, pour faire disparaître les enfants, car en fin de compte, en particulier Néron et Drusus sont morts à cause de Tibère. Le premier parce qu'il l'a fait dénoncer par son frère, et le deuxième parce qu'il l'a fait enfermer en prison et l'a laissé mourir de faim. Enfin, sa belle-fille ici aussi est morte de faim, punie par Antonia pour avoir assassiné son mari. Vous voyez, donc je reste sur une attribution assez pas novatrice, parce que celle de Giard a apporté des nouveautés. Mais de bien, quand on appelle cette gemme le grand camée de France, quand on ne veut pas se mouiller, mais Pérez disait gemma tiberiana, c'est-à-dire gemme de Tibère,
J'avoue que l'appellation ne me déplaît pas et je reste pour la théorie de Giard plutôt que celle plus récente donc, et que Mathilde a bien mis en exergue en la redonnant à Madame Wollweider, mais en disant qu'elle ne l'avait jamais mise par écrit, mais qui est en particulier la pensée de grands spécialistes comme Gaget ou Charbonneau. Vous voyez encore qu'aujourd'hui, cette magnifique pierre, qui n'est toujours pas visible, hein, je vous rappelle que le cabinet des médailles est fermé, qu'il devrait rouvrir prochainement, peut-être pas en 2021, on peut espérer en 2022, et la perle est l'un des principaux joyaux, et j'espère qu'il sera remis en valeur dans cette nouvelle présentation, dans ce nouveau musée qui aura été fermé pendant si longtemps, qui aura vu la destruction de son escalier monumental, et que nous pourrons découvrir dans cette nouvelle présentation muséographique les pièces anciennes que nous connaissions déjà du musée qui a été ouvert en 1981, mais peut-être en découvrir de nouvelles, car je vous rappelle que ce musée, qui est un des joyaux de notre patrimoine, contient, et grâce aux inventaires qui ont pu être faits par les différents conservateurs à marche forcée, et qui aujourd'hui sont mis au fur et à mesure sur Gallica, contient plus de 600 000 objets. Donc c'est quelque chose d'assez objet et monnaie, ce qui en fait l'un des plus beaux musées du monde, et que si la gemme que nous avons ici est l'un des joyaux, et en tout cas la plus grande pièce connue aujourd'hui, n'est pas la seule, puisque vous avez ici une magnifique représentation d'un camée d'Auguste avec des magnifiques bijoux, nous avons ici l'apothéose Germanicus, ici celle de Claude, ici un camée de Claude, et ici vraisemblablement un camée d'Agrippine. Donc ce ne sont, et qui viennent tous, des trésors royaux. Hein. Et donc parmi, et j'ai pris ces 5 objets, mais j'aurais pu en prendre une vingtaine ou une trentaine d'autres de la même période ou de la période juste postérieure, qui prouve que le cabinet des médailles a d'infinies ressources et richesses et mérite d'être connu, visité, et méritera, à mon avis, que nous allions y passer, comme à la Monnaie de Paris, pour d'autres raisons, nous allions y passer de très nombreux moments, comme certains d'entre nous ont pu le faire par le passé. J'espère ne pas avoir été trop long, j'ai tenu les délais, oui, à 4 minutes près, waouh, j'avais dit 19h30 à Eric. Maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser. Je m'excuse encore, vous aurez peut-être remarqué, il y a eu quelques imperfections, quelques trous. C'est indépendant de ma volonté. J'espère que ça ira mieux dans quelques temps. Et j'espère que cette mise en bouche vous aura donné envie d'aller revoir cette pièce merveilleuse. Je vous remercie. Merci Laurent. Merci Laurent. C'était passionnant. Bon travail, Laurent. Merci beaucoup. Toujours aussi extraordinaire. Bravo. Merci et bonsoir. 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 Et merci Laurent, pour la qualité donné des photos. L'idée de faire, de relire la vie des 12 Césars. C'est très bien, mais il n'y a pas que les 12 Césars. Hein. Strabon en parle, il y a plein d'informations. Dans ta cite, hein, bien sûr. Je n'ai que celui-là sous la main. Voilà, mais c'est vrai que Suétone est un petit résumé. Suétone, c'est par le petit bout de la lorgnette. Hein, Tacite, c'est quand même beaucoup plus une œuvre historique. C'est Tacite aussi. Mais je ne sais pas où il est. Voilà, mais c'est les deux croisés. L'ensemble croisé permet de redécouvrir. Vous avez aussi le reste Gestei. Je rappelle qu'avec Philippe, on était malheureusement trop peu nombreux. On s'était rendu à l'exposition en 2014 pour aller voir le deuxième au Grand Palais, cette magnifique exposition consacrée à Auguste, qui n'a malheureusement pas eu le succès qu'elle aurait mérité. Il y en a un qui parle. Je me rappelais qu'elle avait vraiment apprécié cette exposition. Est-ce qu'il y a des questions ou des compléments? Peut-être que Dominique, tout à l'heure, avant que nous commencions en aparté, nous avait dit qu'il y allait avoir de nouveaux travaux sur le... Des travaux, c'est beaucoup dire, mais disons que l'opuscule de Giard qui commence à dater et qui a été effectivement pour moi un apport, en particulier ses liens avec Alfoldi, qui était l'un des plus grands connaisseurs au monde de la période césarienne et de l'idéologie césarienne, ont fait que Jean-Baptiste Giard a pu
amené des éléments de compréhension nouveaux. Mais bien des sujets restent en suspens, et je dois dire que moi non plus, sans être un spécialiste de cette période, ce n'est pas mon cas, mais l'idéologie impériale et la mise en scène de l'idéologie impériale sont assez constants depuis Auguste, et l'idée la plus récente, celle qui était dans le catalogue de Marie-Louise Vollenweider et de notre amie Mathilde, qui serait qu'on aurait effectivement Germanicus qui montrait au ciel, et qu'en fait Tibère serait littéralement encerclé par la descendance du dit Germanicus, ça ne me semble pas le plus probable. Alors, bien sûr, on pourrait dire, pour défendre cette idée, qu'on ne sait pas qui a commandité ce document extraordinaire. C'est un document, c'est une pierre qui a coûté un argent fou, hein, ça se compte nécessairement, je pense, en millions de sesterces. Je ne parle pas de la monnaie sesterce, je parle des unités de compte, mais ça a coûté très cher. Ça a demandé de trouver la pierre, qui est une pierre d'une dimension exceptionnelle, même si les cinq couches ont pu être travaillées, c'est-à-dire qu'effectivement, elles ne sont pas forcément toutes là naturellement. On sait qu'on peut colorer une zone blanche dans une pierre de ce type. La pierre est poreuse, et en mettant sur la tranche des colorants, on peut faire pénétrer en partie. Donc cette pierre a pu être préparée ou ajustée avant gravure et même éventuellement après. Mais enfin, c'est une pierre exceptionnelle, elle a coûté très cher, je parle de l'objet minéralogique. Les heures, les très très nombreuses heures de travail du grand artiste qui a fait cela, parce qu'on ne connaît pas son nom, mais il n'empêche que c'est un grand artiste, c'est d'évidence l'un des plus grands graveurs dont on disposait, venant, comme l'a dit Laurent, très certainement de la partie grecque de l'Empire à Rome. Alors oui, pourquoi pas l'apothéose de Germanicus montant sur Pégase, mais alors à ce moment-là, ça impliquerait que c'est quelqu'un de la famille de Germanicus qui aurait fait cette commande dans une façon très orientée idéologiquement pour montrer que finalement l'Empire allait tomber entre les mains des descendants de Germanicus. Mais sincèrement, j'y crois peu, parce que malgré tout, le personnage central, c'est Tibère. Et Tibère et sa mère. On sait que les rapports entre la mère et le fils étaient ombrageux, de plus en plus au fil du temps, puisque quand Livie est morte, il a refusé qu'elle soit divinisée. Elle avait porté le titre d'Augusta après la mort d'Auguste, qui lui a légué ce titre, qui est un titre quasiment religieux, quelque part, en héritage. Et elle est devenue la première grande prêtresse du culte de son défunt mari, d'ailleurs. Mais Tibère ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là, et il a refusé la divinisation. Il a envoyé Caligula, dont c'était la première sortie publique, faire l'éloge funèbre de Livie devant les rostres sur le forum. Le gamin avait 14 ans, mais tout le monde a été impressionné parce que sa voix avait déjà mué, et il a fait un discours qui était déjà celui d'un futur chef d'État, quelque part. Donc c'est la première apparition Caligula. Les moments où il courait bambin avec ses sandalettes, puisque Caligula, en bon français, on peut le traduire par sandalette, hein, c'est caligué aux pattes, et je ne vois pas ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même, Tibère est quelqu'un de suffisamment ombrageux pour ne pas avoir, comme l'a dit Laurent, je suis d'accord avec lui, laissé traîner un objet pareil, qui aurait été rempli, si j'ose dire, si on suit les identifications proposées par Marie-Louise Vollenweider, aurait été rempli des gens de la famille qu'il a littéralement décimé. Donc ça ne colle pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que c'est bien, si Germanicus est glorifié, c'est bien là, et de son vivant, évidemment, que l'épouse
sournoise et perfide, n'a pas encore assassiné son mari. Et donc, qu'effectivement, on essaie dans ce registre central de faire un équilibre. On a les grands anciens qui protègent, hein, bien sûr, César, Auguste, Drusus l'Ancien, mais on a un espèce d'équilibre entre les descendants et parents directs, en quelque sorte, de Tibère, et d'un autre côté, Germanicus et sa descendance. Et en particulier, puisqu'on est dans le registre militaire, bien sûr, le plus neutre, parce qu'il est encore enfant, mais quelque part en apparence le plus militaire, qui est le petit Caius, avec son équipement miniature, puisque les textes nous disent bien qu'on lui avait fait un bouclier, des armes, à sa taille quand il avait 6 ans, voire même moins. Donc c'est difficile de toujours pouvoir trancher, mais moi je serais quand même partisan, puisque il faut refaire un nouveau support de médiation, il va falloir refaire un livret dans un esprit un peu différent de celui de Jean-Baptiste Giard, parce qu'en plus cela s'inscrira dans une collection où des objets un peu phares des différents départements de la BNF devront être mis en valeur. Eh bien, il va falloir reprendre le dossier. Et en ce qui me concerne, je ne pense pas que je... C'est Mathilde qui fera, je dirais, tout l'aspect technique et iconographique au sens, évidemment, de ces mises en scène magnifiques. Mais pour l'aspect historique, je devrais être plus ou moins chargé de m'en occuper. Et en ce qui me concerne, je ne suivrai pas la notice 275 du catalogue, et je suis beaucoup plus proche, sans avoir de lumière particulière, de l'interprétation à laquelle s'est rallié Laurent. Une seule chose qui pourrait renforcer encore cette idée-là, c'est le fait que le personnage placé donc derrière Tibère et Livie, et qui est censé être Drusus le Jeune, oui, c'est celui qui fait la médiation. Absolument. Entre le registre central et le registre supérieur. C'est que celui qui crayon, c'est Germanicus, oui, mais Drusus est mis en avant, en fin de compte. Absolument. Germanicus et Drusus s'entendaient très très bien. Hein. Drusus avait servi sous les ordres de Germanicus. Voilà, et c'est très important, parce que idéologiquement, ça permet de ne froisser personne. Voilà. On a Germanicus, qui est un magnifique vainqueur, et qui déjà, rien que par son surnom, est celui qui a rendu l'honneur aux Romains. Il a été récupéré les enseignes perdues en Germanie. Vous savez que les Romains font une fixette sur les aigles légionnaires et sur les enseignes, et que l'un des plus grands, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, l'un des plus grands coups d'éclat de tout le règne d'Auguste, c'est d'avoir négocié, sans faire la guerre, avec les Parthes, pour que des ambassades Parthes ramènent à Rome les enseignes perdues du désastre de Carrhae et des guerres malheureuses de Marc-Antoine. Eh bien, Germanicus, il faut le savoir, a ramené des enseignes et aussi libéré certains soldats survivants qui avaient été plus ou moins réduits en esclavage par les Germains après le désastre de Varus, le désastre du Teutoburg. Donc, magnifique vainqueur, Germanicus, mais effectivement, on a derrière ce mouvement dynamique du fils de Tibère, donc qui déjà, on a envie de dire, aspire à monter lui aussi. Donc, ça permet de réconcilier les deux branches, en quelque sorte. Et ça expliquerait l'intérêt idéologique de la pierre, et ça expliquerait aussi qu'elle ait survécu, alors que si elle n'avait été peuplée que de la famille de Germanicus, pour faire clair. C'était quand même assez peu probable, après sa mort à lui, la mort de sa femme, la mort de ses deux fils aînés, par Tibère certes, mais poussé par son mauvais génie, qui était le préfet du prétoire, ces gens, qui a été, jusqu'au moment où ces gens a été trop loin, c'est-à-dire qu'il a fomenté la mort de Tibère, lui-même, pour essayer de monter à l'Empire. Et c'est là que la conjuration a été éventée et qu'il a été éliminé. Et les femmes, tu parlais d'Antonia Minor, les femmes de la branche antonienne ont joué un rôle très important
dans cet épisode, c'est-à-dire pour chasser finalement le préfet du prétoire qui n'était pas un sénateur, qui était de rang équestre et qui n'était pas de la haute aristocratie, pour chasser ce parvenu qui avait réussi à trop s'infiltrer, à trop contrôler le pouvoir à la place de Tibère, retiré à Capri. Voilà. Et donc, mais il reste un mystère, et pour moi le plus grand mystère, c'est pas la datation, parce que comme tu l'as montré, on peut resserrer entre ceux qui ne figurent pas et ceux qui y figurent encore, on peut resserrer la partie de chronologique possible à quelques années finalement. On peut dater à quelques années près cette pierre. Mais pour moi, le plus grand mystère, c'est qui l'a commandée. Parce que pour le reste, il est évident qu'à la fin de la dynastie julio-claudienne, c'est un monument absolument somptueux, il est resté dans le trésor impérial. Il est très probablement resté au Palatin, jusqu'à, comme tu l'as dit, le déménagement à Constantinople. Mais il faut savoir que le déménagement de Rome à Constantinople a été progressif. Et autant on sait que Constantin a tenu à basculer vers l'Orient à sa nouvelle capitale certains objets bien particuliers, comme l'Epignora Imperii qui était dans le temple de Vesta, c'est-à-dire finalement les amulettes. Pour un chrétien comme Constantin, c'est quand même pas mal, les objets magiques qui protégeaient Rome, dont le palladium, dont les anciles, etc. Ça oui, parce que ça avait un sens de refondation d'une ville. Mais finalement, l'abandon du Palatin comme palais impérial à Rome, il est plus tardif, il est plutôt vers la fin du IVe siècle. On sait qu'à l'époque, c'est à l'époque théodosienne, qu'un certain nombre de bâtiments palatins, je veux dire du Palatin, sont quasiment désaffectés. Y compris d'ailleurs parce que la cour impériale d'Occident va se balader entre Ravenne, Milan, suivant les cas, et que Rome finalement sera devenue un musée entre-temps. Donc, il est possible que le Grand Camée et d'autres objets prestigieux aient été déménagés de Rome plus tard dans le IVe siècle que dans les années qui suivent la fondation de Constantinople. Mais en tout cas, et c'est fort heureux, ils y étaient évidemment plus quand la ville a été prise par Alaric et pillée de la façon qu'on sait, sinon très probablement on n'aurait jamais retrouvé cette pièce. Voilà ce que je peux dire à ce stade, mais ça demande encore beaucoup de réflexion on sent que c'est un sujet que tu as traité depuis longtemps, que tu as bien en main et qui te passionne toujours autant, parce que arriver à exposer les différents aspects de ce document dans un temps comme ça limité, ça n'est vraiment pas facile, et j'ai envie de dire que par écrit ça le sera encore moins, surtout dans un cadre limité justement. Est-ce qu'on a une idée de la signification du geste de Germanicus ? Ah, le fait de poser sa main, c'est une très bonne question. Moi, à ce stade-là, je ne peux pas le dire. Il faudrait voir si ça ne fait pas, s'il n'y a pas une référence mythologique à ça. Et il faudrait voir si ce geste de toucher le haut de son casque, voire son aigrette, ne renvoie pas à un héros de l'Iliade ou à quelque chose de cet ordre, soit de la mythologie gréco-romaine, et plutôt grecque en réalité, soit à l'inverse de l'analystique romaine, où un des grands généraux de la République aurait fait ce geste après une grande victoire ou je ne sais quoi. Je n'ai pas vu ce sujet abordé, je ne sais pas ce qu'en pense Laurent. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'a pas, parce que ça aurait pu être une mauvaise représentation, parce qu'on dit toujours, bon, la pierre est extraordinaire, la gravure est vraiment somptueuse, mais c'est pas un travail, on a bien mieux au niveau travail dans d'autres pierres plus petites. Et là, ça aurait pu être une représentation de l'allocution, mais dans de l'allocution, le bras ne serait pas coupé, il serait tendu. Donc ça ne peut pas être ça. Donc là, c'est vraiment un geste religieux, vraisemblablement. Oui, tout à fait.
Ça ne peut pas être un salut militaire, non ? Non, justement pas, ça ne peut pas être le salut militaire. Le salut militaire... C'est certainement un geste de religieux par rapport justement à Tibère, c'est-à-dire dévotio, qu'on appelle en latin. Parce que la salutation... Bon, un général qui s'adresse à ses troupes, qui fait une allocution, le mot est resté en français, il lève le bras, mais il lève toujours le bras de cette façon. Comme le fait le dieu Sol sur les monnaies, c'est-à-dire il fait un salut. Le fait de porter... Alors, il faut savoir qu'effectivement, le fait de couvrir la tête... Bon, lui, il a la tête couverte avec un casque, parce que c'est un soldat. Mais le geste de recouvrir, en plus, doit avoir une signification religieuse. Parce que de la même façon qu'on pouvait faire les cultes à Rome, il ne faut pas oublier que Tibère, en tant qu'empereur, depuis Auguste, tous les empereurs sont grands pontifes. Et comme l'a souligné Laurent, d'ailleurs, il ne tient pas... il tient un sceptre d'un côté, qui est un sceptre jovien. Il est là comme délégué de Jupiter sur Terre. Mais en même temps, il tient un litus, c'est-à-dire qu'il tient un objet religieux. Et c'est peut-être là qu'est la clé. Parce que Tibère est demi-nu, il est en nudité héroïque, comme Jupiter, il tient le grand sceptre vertical, comme Jupiter. Oui, mais à la différence de Jupiter, si j'ose dire, il tient un bâton d'augure de l'autre main, alors qu'il aurait pu tenir un globe, il aurait pu tenir une victoire sur un globe, il aurait pu tenir tout ce qu'on veut. Non, il tient un litus, et le litus le présente comme patron de la religion romaine. Et n'oublions pas que le registre du dessus, avec César divinisé et Auguste qui monte au ciel, c'est un registre religieux, puisque ce sont des dieux maintenant, ou du moins des divins, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas dieux de toute éternité, mais qui sont devenus dieux après leur mort en ayant une vie humaine avant. C'est la différence entre un deus et un dius. Et le geste de Germanicus doit être à ce moment-là effectivement un geste plutôt religieux, mais qui n'est pas non plus un geste de soumission politique. C'est autre chose. Dans le civil, il aura ramené un voile sur sa toche sur la tête. Oui, mais Germanicus est en tenue militaire. Oui, donc justement, est-ce que ça ne correspond pas à un geste qui serait d'origine, qui serait peut-être une erreur ? Il y a sans doute un problème de composition aussi. Oui, aussi, mais bon. Si on regarde, donc peut-être que le geste est aplati, peut-être que... Mais en fait, il y a quand même une volonté certaine de bien placer le bras sur la tête. Après, qu'il soit plus ou moins décollé, du coup, il n'y avait plus la place. Mais en tout cas, ça a une signification et qui sans doute à mettre en parallèle avec le geste de Drusus, qui lui aussi tend à toucher un peu le ciel. Hein. Donc peut-être avec une déférence justement sur les ancêtres. Oui. Parce qu'en fait, la glorification, c'est celle de la lignée. C'est celle de la lignée familiale, avec surtout à partir du moment où on assimile le radiati, le radiatus qui est en haut à César, on a vraiment, c'est pas l'arbre de Jessé, hein, c'est l'arbre des Julio-Claudiens, avec César tout en haut, et puis la descendance qui descend, et puis les barbares vaincus qui sont là pour faire masse. Parce que ça fait toujours... Parce que finalement, César est le descendant de Vénus. On a presque envie de dire plutôt d'Aphrodite, puisque on remonte à la guerre de Troie. De Vénus, mais pas n'importe quelle Vénus. De la Vénus à la fois génitrix, elle a engendré la lignée, et surtout de la Vénus victrix. Victrix, c'est la Vénus qui donne les victoires à cette famille, et cette famille nous est présentée comme devant régner sur Rome à l'avenir, maintenant, dans le passé, César, Auguste, maintenant, Tibère, et à l'avenir, et quelque part de toute éternité. Et c'est pour ça que la présence de ce petit peuple en bas, très coloré et un peu orientalisant par endroits, qui représente finalement les barbares vaincus, ça n'a rien de c'est pas juste une composition esthétique, c'est que c'est les victoires de la famille julio-claudienne, victoires qui tiennent pour partie à son ascendance divine, qui justifient sa place au pouvoir et la pérennité de cette place au pouvoir.
Hein, c'est ce que disait César dans le fameux discours que rapporte Suétone. Suétone, par moment, est aussi intéressant que Tacite. Ce n'est pas très fréquent, je l'en veux d'un point de vue historique, mais ça arrive. Et le fameux discours de César aux funérailles de sa tante. Sa tante, la sœur de son père, qui avait épousé Marius, le fameux général Marius, le grand rival de Sylla. Et quand Sylla était mort, Marius était mort à ce moment-là, mais Sylla était toujours vivant. Et César est intervenu aux funérailles de sa tante. Alors d'abord, il a fait balader les images de la famille, puisque vous savez, on amenait des images en cire représentant les grands personnages au moment de funérailles, comme ça, et il y avait les images de l'interdit, c'est-à-dire Marius, qui était quand même très mal vu par les sénateurs, enfin, par la haute, les fameux nobles qui défendaient la tradition. Et il a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit « ma tante Julia », mais bien sûr, il aurait pu parler de lui-même, puisque sa tante, c'était la sœur de son père. Donc, c'était s'aligner à lui, Caius Iulius Caesar. Elle descendait des dieux par notre gens, Iulia, qui descend de Iule, donc d'aîné, donc des dieux, et du côté de sa mère, des premiers rois de Rome. Parce qu'elle était, je ne sais plus de quelle gens, qui était peut-être la gens martia liée à Marcus Marcius, donc qui sont sur les trônes placés par les dieux. Donc en fait, il disait que des deux côtés, sa famille descendait soit des dieux, soit des rois désignés pour régner sur terre par les dieux. Et c'est déjà tout le programme politique de César qui est dans ce fameux discours aux funérailles de sa tante. Et c'est pour ça que, comment dire, Suétone, qui préfère effectivement prendre l'actualité impériale sous l'angle de, disons, des potins et de ce qu'on appellerait la presse people aujourd'hui par bien des aspects, par moment devient plus sérieux, devient plus grave. Et là, ce discours de César, qu'il est le seul à rapporter, à mon avis, ça a dû lui sembler suffisamment important avec le recul pour le noter. Et ce discours de César nous dit bien qu'il y a une famille qui est bénie des dieux à Rome, parmi les familles des patriciens, c'est-à-dire des fondateurs de la ville de Rome autour de Romulus, les grandes familles aristocratiques qui prétendent toutes remonter à la fondation de Rome, mais la gens Iulia a quelque chose de plus que les autres. Et ce quelque chose, c'est qu'elle est mythiquement venue de Troie, elle est née d'Aphrodite, et que la déesse continue à veiller sur elle, à lui donner les victoires. Et entre-temps, Auguste est arrivé au pouvoir, entre-temps, Virgile a écrit l'Énéide pour glorifier la gens Iulia, pour glorifier cette origine qui fait de cette famille quelque chose de totalement unique dans l'histoire de Rome. Et pour moi, cette gemme extraordinaire est une traduction à un moment donné de la chronologie de cette place toute particulière que les Julio-Claudiens pensent avoir dans l'histoire de Rome pour le présent du document, mais aussi pour l'avenir. Et tu retrouves ça certainement dans la représentation, ça c'était Alfoldi, d'Aion, oui. Juste sous César, et faisant référence à la quatrième éclogue de Virgile. Voilà. Justement. Voilà, le fils de la... Il est né... Le retour des temps heureux, les jeux séculaires, et c'est pour ça que j'ai repris cet Oreus d'Adrien. Redeum Saturna Regna, voilà. Le retour de l'âge de Saturne, et une nouvelle génération descend du ciel. Et cette nouvelle génération, à l'époque où Virgile a écrit cette éclogue, c'était le second triumvirat, et c'était et a commencé, bien sûr, par Octave. Ceux qui ont la revue numismatique doivent absolument aller lire l'article de Marie-Henriette Thiette. Tu sais, c'était en 2003. Elle avait fait un article d'ailleurs juste après sur l'origine du zodiaque d'Adrien, qui est extraordinaire, qui est une référence à ce niveau-là. Mais c'est une spécialiste de l'Ionne, hein, Marie-Henriette. Tout à fait, absolument. Et des mosaïques impériales. Et surtout, parce que l'Ionne, c'est le concept grec, hein, c'est un concept quasiment métaphysique grec,
mais chez les Romains, c'est ce qu'on appellera saeculum, c'est-à-dire l'idée que les siècles se succèdent, mais pas comme nous, comme ça, dans une chronologie plate, ou même pas comme dans le christianisme, par l'éternité aussi, qui est un infini de la même façon. Pour les Romains, le cycle cosmique, le développement du cosmos était cyclique. Il y avait des petits cycles que l'on connaît tous, jour-nuit, les mois lunaires, les années, les lustres de 5 ans, et il y avait les siècles qui pouvaient être de 100 ou de 110 ans. Il y a deux calculs de siècles différents à Rome, l'idée du siècle n'étant pas de faire un compte rond en base 10 comme nous, parce que les Romains ne comptaient pas en base 10. L'idée du saeculum, c'était le moment où toute une génération humaine avait été renouvelée. C'est-à-dire, comme on le disait aux jeux séculaires, ceux qui ont vu ces jeux pour la fois d'avant, plus aucun d'eux n'est vivant actuellement. Et comme il y a eu à un moment un double compute et que des jeux se sont succédés non pas à 100 ou 110 ans, mais à 50 ans de distance, il y a des Romains qui faisaient les gorges chaudes en disant, je pense en particulier aux jeux de Domitien, pour ceux qui avaient vécu les jeux de Claude, qui disaient, mais moi quand j'étais gamin, il y avait déjà les jeux séculaires. Donc tout ça, c'est des bobards qu'on nous raconte. Et cette idée de séculum, c'est-à-dire de renouvellement du temps, on revient à zéro et on recommence pour un cycle avec un élan nouveau. C'est ce qui sera aussi au millénaire de Rome, hein, en 248, bien sûr, mis en avant, et c'est ce qui sera mis même encore une fois en avant dans un contexte christianisé qui fait qu'on n'ose plus employer le terme, au moment du 1100e anniversaire de Rome, en 348, où les monnaies en témoignent, une grande réforme monétaire, et on aura cette fameuse légende, Felicitas temporum reparatio, c'est-à-dire la remise en ordre de du bonheur des temps, du bonheur des siècles, avec le phénix qui apparaîtra partout, et de la même façon que finalement la famille de Constantin, la famille de César, d'Auguste, etc., s'est identifiée à Vénus du point de vue divin, les enfants de Constantin, et Constantin lui-même sera identifié par beaucoup au phénix qui renaît de ses cendres à chaque génération, et les enfants de Constantin reprendront une idéologie tout à fait parallèle pour faire croire que finalement cette famille constantinienne est vouée à diriger l'Empire de cycle en cycle jusqu'à la fin des temps. Qu'elle soit devenue chrétienne n'y change rien. Puisque je rappelle que Constantin a été divinisé, y compris sur ses monnaies, après sa mort, tout chrétien qu'il était. Voilà, donc comme d'habitude, on peut toujours faire un très beau parallèle, d'ailleurs, entre Auguste au 1er siècle et Constantin au 4e, qui sont vraiment l'un et l'autre, avec toutes les différences culturelles des deux périodes, hein, qui sont quand même deux fondateurs ou refondateurs de l'Empire. Si je peux ajouter quelques petites choses. Je t'en prie. Déjà, je remercie beaucoup Laurent Schmitt pour. J'ai trouvé très convaincant. C'est une clarification. Et je dois dire que je n'étais pas. Je trouvais l'interprétation qui prévalait récemment assez alambiquée, hein, un peu compliquée. Et alors que là, ça me semble beaucoup plus clair et ça fait sens. Et ça fait sens, et notamment on a un autre élément de datation aussi, effectivement le petit garçon est bien Caligula, ce qui est très vraisemblable, ça nous donne à peu près aussi par rapport à son âge, ça nous donne aussi un autre indice. Mais je voulais revenir sur la composition, parce que comme on l'a fait remarquer là très justement, en fait, on a deux gestes parallèles, en fait, deux bras levés vers le ciel, quelle que soit disons, l'interprétation particulière qu'on peut donner à l'un d'eux. Mais en fait, ce qui fait le lien entre le registre central, donc le registre qu'on pourrait dire terrestre ou régnant, hein, de la famille a priori vivante, et le ciel, c'est le sceptre de Tibère. Et je pense que la position centrale de Tibère dans tout ça,
Il me paraît difficile d'attribuer à qui que ce soit d'autre la commande de l'œuvre. C'est une œuvre impériale, c'est une œuvre, comme vous l'avez souligné, qui a coûté une fortune. C'est une œuvre faite avec une commande faite avec la cassette impériale. C'est en tout cas l'hypothèse la plus vraisemblable et celle qui fait sens. Alors, je voulais aussi signaler deux autres publications que vous n'avez pas citées dans la bibliographie. L'une, c'est le catalogue de l'exposition Rubens, puisqu'on a cette peinture de Rubens, et le grand Camus avait été prêté, si je me souviens bien. Et l'autre, c'est le catalogue de l'exposition que j'avais organisée sur la quatrième croisade, où le grand Camus était présenté. Et il y a en fait une très bonne notice de Yannick Durand, je l'ai ici, je ne sais pas si c'est visible. D'accord. Et donc, en page... la notice 26, à partir de la page 216, il y a une longue notice en fait sur le Grand Camus et qui évoque notamment la monture médiévale, qui était en fait une monture byzantine et qu'on arrive à partir des... Malheureusement, on n'a pas de... Enfin, il a été fondu après la monture a été fondue après le vol, mais on en a des descriptions et qui permettent, à travers l'évocation notamment des mots, et qui permettent de reconstituer à peu près ce que c'était. En fait, une monture avec des gemmes, des rubis, des saphirs et des perles, qui en plus contenait des reliques, et que Yannick Durand date de la seconde moitié 11e siècle ou 12e siècle, en fait. Une monture, grosso modo, vers le 12e siècle. Donc ça nous donne un indice supplémentaire, enfin une étape supplémentaire dans la vie de l'objet. Et par ailleurs, Charles V, donc grand amateur de gemmes, quand il l'a récupéré, il lui avait fait faire un piédestal qui contenait lui aussi des reliques pour permettre sa présentation dans le trésor de la Sainte-Chapelle. Donc ça ajoute, c'est quand même une œuvre malgré les incertitudes qui subsistent sur le moment du passage à Constantinople et d'autres, et le moment exact du retour et de la probable acquisition par Saint-Louis, c'est malgré tout une œuvre qu'on arrive à suivre, ce qui est quand même exceptionnel pour une œuvre antique, en fait, à travers, non pas un continuum, mais en tout cas différentes étapes de sa vie, et qui montre une constante, c'est que depuis sa création sous Tibère, elle n'a cessé d'être une œuvre majeure du trésor impérial romain, byzantin, et ensuite du trésor des rois de France, parce que la Sainte-Chapelle en tient lieu aussi, même si c'est l'interprétation religieuse qui a prédominé. Voilà. Merci. Merci. Et pour revenir sur la question du commanditaire, en fait, si effectivement on peut penser que c'est un personnage impérial, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit Livy aussi, qui a une position quand même assez extraordinaire, parce qu'elle est quand même très en avant. On aurait pu penser que ce soit Tibère qui a été mis un peu plus en avant. Elle est présentée devant lui, non pas derrière lui. Et du fait que mettre son fils au centre, et aussi le mettre en valeur et par rapport à son pouvoir. Alors, quand on parle de commande impériale, on évoque souvent le personnage d'Antonia. On dit que la pierre, la gemme, aurait pu être commandée par Antonia pour glorifier à la fois son mari décédé et son fils, en fin de compte. Et tu remarqueras, enfin vous remarquerez tous, que les deux visages, celui de Livy assise et celui d'Antonia qui a l'air d'être debout, sont exactement à la même hauteur. Et finalement, autant de la même façon que Germanicus regarde exactement en regard à la même hauteur Tibère les yeux dans les yeux, on a l'impression qu'Antonia regarde Livy les yeux dans les yeux. Non, pas possible.
Non, tu veux dire Agrippine. Agrippine. Oui, Agrippine, pardon. Oui. Agrippine. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jeu de regard qui n'est pas du tout neutre. Et moi, je pense que Livy, ce serait... Quand on connaît la rouerie politique de Livy, hein, qui est quand même... moi, j'ai à l'exposition de 2014, ce qui m'avait le plus, à part les documents merveilleux, la statue de Prima Porta, évidemment, quelle merveille de la voir, les grands camées de la collection de Blackass, qui, hélas, est au British Museum, alors qu'elle devrait être chez nous, et ainsi de suite. Le document majeur qui m'avait impressionné, c'est la grande statue de Livy en prêtresse impériale. C'est-à-dire que Livy a organisé, après la mort d'Auguste, de la même façon que Marc-Antoine et Octave, avant qu'il soit Auguste, avaient organisé l'héritage de César autour de la divinisation du temple au Divus Iulius, etc. Après la mort d'Auguste, Livy, en tant que veuve d'un dieu et grande prêtresse du culte, et portant, première femme à Rome à le porter, le titre d'Augusta, elle a organisé idéologiquement la famille autour de ça. Et la voir comme commanditaire à un moment ou à un autre de l'affaire, au moment où son fils est enfin sur le trône. Rappelons que Tibère est devenu empereur à 56 ans. Ce qui était quand même tard, vu la mortalité à l'époque, parce qu'il n'a pas pu l'être avant. Parce qu'Auguste, un petit peu comme Louis XIV, n'en finissait pas de mourir et qu'il avait usé toute sa descendance directe, quasiment. Et effectivement, la remarque de Marie-Laure est très juste. Elle est plus basse, mais elle est devant. Et elle a le rôle de matrone. Ah, parce qu'on voit très bien le corps, on voit entièrement le corps de Livy. Alors que quelque part, une petite partie du corps de Tibère échappe, il est légèrement, la jambe de Livy est au premier plan, on le voit très bien par rapport à Tibère. Et effectivement, ça peut être, mais on n'aura jamais de certitude. Et c'est pour ça que souvent dans ce genre de cas, quand on veut couper court, on dit c'est une commande impériale ou c'est une commande de la chancellerie impériale, ce qui veut tout dire et rien dire. C'est une façon de dire... En fait, c'est une commande d'État, comme le sont d'autres grands camées. Pour moi, le camée de... Tu l'as montré tout à l'heure, Laurent, le camée de Trajan, par exemple. Le grand camée de Trajan, qui reprend un portrait quasiment monétaire, beaucoup plus qu'un portrait de buste en marbre. Le grand camée de Trajan est une commande d'État. Je ne vois pas un particulier faire ça. Oui, mais en fait, une commande d'État à l'époque... C'est une commande. Effectivement, en fait, je pense que les deux hypothèses qui tiennent, c'est soit une commande de Tibère lui-même, soit plus subtile, mais peut-être plus convaincant encore, une commande pour Tibère, mais de Livy, avec un message politico. Sachant qu'elle essayait de garder un lien avec son fils, qu'il a repoussé de façon croissante. J'ai parlé du fait qu'il a refusé que sa mère soit divinisée, sa mère en tant que veuve d'Auguste aussi, soit divinisée après sa mort. Mais je rappelle que de son vivant à elle, certains, et ça on a des textes qui en témoignent, y compris des inscriptions d'Afrique du Nord, un certain nombre de collectivités territoriales, en particulier en Afrique du Nord, ont voulu donner comme titre supplémentaire à Livy, le titre de mater patriae, de mère de la patrie, puisque Auguste était le premier à porter le titre de père de la patrie. Et Tibère, et là c'est rapporté par les sources, dit « mais il n'en est pas question ». Il dit « cette femme a déjà que trop d'honneur, il n'est pas question de lui attribuer ça en plus ». Et ça c'est le coup de pied de l'âne, si j'ose dire, de Tibère à sa mère, qui, je le rappelle, quand elle est morte, n'a pas fait le déplacement de Capri à Rome pour lui rendre les derniers hommages, qui a été ressenti comme quelque chose d'incroyable, non pas tant en termes de piété filiale par rapport à une mère, mais par rapport au fait que c'était la veuve d'Auguste. Et il a envoyé le plus jeune de la famille,
qui n'avait jamais pris la parole en public, qui était Caligula, précisément, et qui a dû préparer un discours posthume et prendre la parole au rostre devant toute la noblesse de Rome assemblée. Et on nous dit qu'il s'en est très bien tiré, à la surprise générale, ce qui prouve que Caligula n'était pas du tout un débile mental ou comme certains ont essayé de le présenter, mais ça montrait aussi le fait que ce soit lui qui soit chargé de ce qui revient par essence au fils aîné normalement, où était le signe du mépris post-mortem encore que Tibère voulait manifester pour sa mère. Donc ce que propose Inès me semble très juste, ça peut être Livy en essayant de rabibocher finalement la famille autour de Tibère. Et c'est un cadeau impérial, c'est un cadeau pour l'anniversaire de l'empereur peut-être, en tout cas pour lui, pour le rallier à ce discours. En tout cas, Laurent, bravo, hein, parce que c'est un peu un défi que de présenter ça. Non, mais je l'avais relevé il y a 36 ans, mais je me rends compte de ce que je n'avais pas dit il y a 36 ans. En tout cas, je vous remercie tous de cette participation. Et surtout, donc, n'oubliez pas ce qu'a mis ce soir, cette pièce merveilleuse qui fait parler depuis tant de temps et tant de gens et tant de monde et de gens, disons, qui pensent très bien, qui ont des connaissances et tout. C'est un moyen de renouer avec notre passé à nous, présent, c'est-à-dire de la Sena, et en fin de compte, de se rappeler nos ancêtres à nous. Je suis celui qui tend la main vers les grands de la Sena d'hier, tandis qu'on regarde aussi vers ceux de demain, en fin de compte. C'est ça peut-être le message aussi d'un truc comme ça, c'est qu'en fin de compte, cette histoire familiale, c'est aussi un peu notre histoire à nous. Merci beaucoup Laurent, c'était passionnant et je remercie aussi tous les gens qui ont suivi jusqu'au bout. Et qui sont restés aussi tard, hein. Il est quand même 20h10. Hein. Exactement, et a priori l'enregistrement a fonctionné, donc ouais, pour génial. Qui vont voir, on le mettra sur le site. Voilà, merci à tous, merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Félicitations. C'était vraiment bien. Ah.